Yo, on arrive. Ben, Inch'Allah que tu réussisses, j'ai peur. Allez, allez, allez. On arrive les gros. Ouais. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? On est bouillant. Aïe, on arrive. On arrive en direct. Comment ça va, mes gros? Comment ils vont, mes TLJ? J'espère que ça va bien. Que ça va très bien. On est parti pour une méchante session ce soir. D'ailleurs, on passe directement sur la scène. Et on est là. Alors, fais voir un peu. Hop, on arrive en direct. Voilà, il n'y a pas le time. Il n'y a pas le time, les gars. Alors, hop. On est là. Donc, du coup, il faut que je prenne mon service. Ok. Ok, ça c'est good. Ensuite, Kevlar la radio. Ok. On a dit utiliser. Ok. Radio. Ok. Ça, normalement, la fréquence, elle n'a pas changé. On va vérifier. Et sinon, ça va être OK. Alors, attends, bouge pas. On va regarder ça de suite. Tac, radio. On the radio. Tac, fréquence radio. Je vais te dire ça de suite. Je suis toujours bon. Bah, je suis pas bon. Du coup, c'est 98. Ok. Donc, du coup, hop. Hop, on est bon. On allume tout. On allume tout le système, etc. Tac, ici, c'est parti. Dispatch LSSD 80. On va se mettre ici. 80. Hop, en attendant de dispatch. Ici, on va être on duty. Et on est parti, mes TLG. Coucou Paquito, coucou Quatre Surprises, comment ça va les gros? Comment ils vont mon TLG gang? 18. Voilà. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Allez, c'est parti. Du coup, on a bouffé, à boire. Ouais, ça suffit. Très bien, toi. Ouais, ça va, tranquille, hein? Yo Diego, ça va ou quoi? Tranquille? Eh bien, le bonsoir, mes respects. Pour raconter n'importe quoi, ça. Et ferme-la, Jones. Waouh. T'as quoi? Pardon? Ah ouais, c'est chaud. Ouais, j'espère bien. M'en fumer une, j'arrive, hein? Le Samlink 26, 4-4 sur la MD 59. Hop. Tac. On a dit lunettes. Allez, voilà, les lunettes. Vous savez qu'il ratait, qu'il me manquait quelque chose. Tac, t'as dit qu'on va fumer la cigarette, le temps de voir si j'ai tout branché. Actuellement à 1 km du DN 59, est-ce qu'une unité est plus proche? Ah, ça tue, sa race. Comment ça va? Alors, mes TLG, voilà, on va prendre le temps de 2 petites secondes. Donc, je vous rappelle, en dessous le compteur, arrestation, si les voleurs y gagnent, et si on part chez l'hosto. Voilà, ça, c'est fait, ok? J'ai rajouté une petite truc, si jamais vraiment il y a une scène que vous devez pas voir, un petit bout de truc, etc. que vous devez pas voir, j'ai mis un gros cache. Voilà, au cas où. Voilà, au cas où. Par contre, on va les baisser direct. Ok. Ok. Voilà, la radio, c'est baissé. C'est bon pour la musique et tout, ouais. Regardez la poule. Wow, qu'est-ce qui se passe? Merde. Je sais pas, la chérie est dans son délire là. Bordel. Ah ben, qu'est-ce que vous faites vous aussi là? Limite. Ah, c'est énorme. Là, elle est Yo Ludo. C'est quoi la tête ça? Regardez. C'est trop marrant, tu shérif. Ah non, moi je me permets pas. Attendez, je rigole de dos. Hop, voilà. Respect. Incroyable. Parce que j'aurais une dame, elle
Voilà, ça je peux faire. Faire. C'est quoi l'embrouille avec Jones là? Il veut... Pourquoi? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. T'inquiète, Et là, tu me fais des blagues, c'est ça, depuis que t'es PC aux gens. Je suis trop drôle, mec. Ah, enfin, j'ai rigolé, sinon je te blâme, tu vois. Ah, wow, ça fait une menace là. Wow. Merci d'avoir été de voler mon flow, si vous Spotty. J'avais une toute petite question. J'ai mis un bracelet à quelqu'un. Et j'ai vu qu'un membre du LSPD qui a check en, enfin, il m'a check en disant, il a pointé ce jour. Est-ce que j'ai quelque chose à remplir quelque part de plus, étant donné qu'il a pointé? Non. Si, j'espère que vous avez juste remis, enfin, quand vous avez encodé le bracelet, vous avez mis sur MDT, on est d'accord? Oui. Ok, parce que... C'est good. Ok, ok. Normalement, il faut le mettre sur l'MDT et sur le 911, non? Ouais, c'est oui, ce que j'ai fait, ouais, nice, voilà. Nice. Et du coup, je l'ai checké, c'est tout ce que j'ai à faire. Là. Bon, ok. Yo Hugo, bienvenue. Ok. Bon, du coup, c'est cool. J'ai vu les affectations là pour les boots et compagnie là. C'est. Je suis enthousiaste là. Moi, je prends pas de boot, moi. J'aime pas les boots. Ah, c'est pas grave. Vous me voyez plus. Parce que moi, je suis un boot. Ah, voilà. Faut gaffe, les modos sont pas là. De conneries, mort de rire. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? C'est moi, Mystique. D'accord. Ok, gros. Eh ben bienvenue gros. Bon, j'espère que ce soir ça va bouger. Je suis chaud, mais chaud patate. C'est dans 911. Ah ouais, dans le 911 et tout en bas il y a une liaison SA. Paquito. Tu vois le truc de gestion d'unité, comptabilité et tout, bah c'est entre. Attends là je suis à état major. On a à boire. Encore en bas. Tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre deux petits trucs à boire et à bouffer. Vraiment deux, histoire d'être sûr, tu vois, d'être calé toute la soirée. Et au moins, on revient plus, on est calé. Et s'il faut donner un copain ou quoi, aussi, tu vois. Et je vais en prendre même un. On a foutre, en fait. Un, ça fait six. Ouais, quoi, en boisson, un peu plus. En boisson, huit. Voilà. Salut, mec. Eh, bonsoir, mes respects. Comment allez-vous? Ça va très bien, tu peux me tutoyer. Hein. Ça va très bien, toi? Ouais, ça va, écoute, c'est impeccable. Même deux impeccables, je suis chaud, là, ce soir. Chaud, ouais en ce moment. Bah écoute, apparemment oui, hein, sincèrement, j'ai vu beaucoup de choses, avec j'ai tourné avec beaucoup radio, de personnes. Radio, tu gères, c'est bon. Radio, etc. Franchement, je suis à l'aise. On va dire pas je gère sur le bout des doigts parce que j'ai encore un peu la tremblotte. Mais sinon, sincèrement, je suis plutôt... Enfin, pour faire un bilan, très satisfait. C'est au-delà de mes espérances, même dans l'ambiance des collègues et compagnie, franchement, je suis content. C'est bien Lucas, hein, ton prénom. C'est ouais, ça. D'accord. C'est ça. Mes respects, Lucas Andolini. C'est bien toi. Du coup, je sais pas si on te l'a dit, mais ouais. Les acquis qui avaient été validés, enfin qui n'avaient pas été validés, c'est la procédure délit majeur. Je l'ai fait hier. Il faut en faire deux, voire trois, histoire ouais. Que ce soit bien. Super. Contrôle routier, apparemment, de ce que apparemment t'en as pas fait assez non plus. D'accord, pourtant j'en ai fait environ 7 ou 8. Ah, mais ça n'a pas dû être noté. Un d'accord. Et la gestion de la radio. Ouais, la gestion de la radio, ça va être le plus... L'habitude. Ça va être l'habitude, en fait. Je pense que je vais être à l'aise une fois que je maîtriserai bien. En fait, l'histoire, c'est que... Enfin, comment dire? T'as le bégaiement facile, tu vois ce que je veux dire? T'as pas envie de faire de la connerie parce que tu vas faire du one-shot? Ah, je déteste la radio. Moi, je parle que quand il y a besoin de lâcher une info. Et ah ouais. Sans code, hein. Ah ouais, les 10-31, les trucs, tous les codes à retenir et tout. Là. C'est un enfer. Bah, moi, j'ai ma petite fiche là. Tu sais, en fait, ouais, pareil, mais... regarde dans la manche. Hop, et je la sors. Ah, je suis obligé. Quand ça commence en plus, des fois, ça fait des codes feinteux. On m'a dit, ouais, tu marques les principaux et tout, laisse les autres. D'un coup, la dernière fois, j'entends 10-52. Je dis, ouais, ok. Voilà. Ah, 10-52, je le connais assez bien. Je le connais un petit peu, comme celui-là, il m'est utile quelquefois. Quand... Enfin bref, c'est pas pour moi, mais ouais. Souvent, ce qu'on down. Mais ouais, il y a des codes, j'en apprends encore tous les jours, ou je m'en souviens pas. Mais en vrai, tant que tu connais les principaux, on va dire, et que t'es capable de t'exprimer radio quand il faut le faire. C'est ça. Et puis après, t'as les procédures quand même, c'est what the fuck. Hein. Sincèrement, je regardais mon papa, je t'avais dit, papa était commandant. Ouais. Et pour le coup, je regardais un peu ses écrits, je regardais un peu tout ce qu'il faisait, etc. Mmh. C'était pas aussi détaillé et
pour le coup, waouh, je m'attendais pas à ça et c'est tiens, une immersion totale là. Hein, c'est waouh, wow, il faut y aller. Me parle pas de procédure, c'est un truc que je déteste, et je trouve ça chiant. Ouais. Mais bon, t'es obligé quoi, t'es obligé parce que bah, il faut tenir un suivi quoi. Mais bon. C'est ça. Et puis une chose aussi, enfin c'est chiant, etc. Mais moi j'ai trouvé un petit truc là, ça m'a mis une demi-molle. Hein. C'est le sur le Google Doc là quand tu parles en fait que c'est écrit tout seul. Putain, je me suis créé. T'es dans Demolition ah ouais Man. Ah, les trois coquillages, tout, illuminé, désilluminé, c'est incroyable. Okay. Ah ouais, tu mets ça, tu ouvres Google Chrome en fait. Ouais. Tu mets ton Google Doc, ton Gdoc là. Ouais. Et ensuite tu mets outils, commande vocale. Et là tu lui parles, mais même tu lui parles, tu lui fais du sale. Tu sais, j'étais chaud hier soir, j'ai fait un peu du sale au Google Doc. Et pour le coup, hop, il a tout marqué. Et du coup, j'ai envoyé à ma cousine après. Sérieux là ? Ouais. Alors là, si je vais pas faire ça constamment pour... Mais c'est obligé parce qu'en plus, tu as des... Bah, merci pour l'info, en tout cas. Ah ben, je t'en prie parce que, tu sais, moi, je pense que certains d'entre nous ont certaines contraintes et que tu peux pas passer 2 heures à écrire. Et là, ça va fuser. Bah, c'est surtout, ouais. C'est surtout voilà. Comme ça, t'as pas, la plupart du temps, quand t'écris, après, il faut te relire pour être sûr que c'est y ait pas de faute, y ait pas de... Ah ben là, tu parles, tu cliques droit et c'est bon, hein. Le turfu, là. Sergio, va falloir que je te raconte un truc. Later, bitches. Merci, Schizo Katana. Merci, mon poulet. Bah, c'est les Salut trois coquillages. Son sourire, Burke. Quand tu dois faire taper tes rapports, bah, apparemment, avec les docs, tu peux parler. C'est ça. Ta place, mec. Arrête. Ah, j'arrête pas, hein. Non. Ah non, pour le coup, j'ai découvert ça, bordel de merde. J'ai dit c'était le turfu, c'était de Demolition Man. Lui, il est boot, lui. Ouais. Allez, c'est bon, il a gagné sa place. Mes respects. Ah, bordel, pas encore, je suis pas chaud radio. Comment ça va ? Salut les mecs. Ça va ? Bien, la forme. Oh merde. Ça marche incroyable. Oh là, comment j'ai vu ma meilleure vie pour faire des rapports. Ah ben pareil, hein. Moi j'ai cherché d'entrée, hein. C'était pas possible. J'ai dit c'est mort. Sœur, il faut qu'on aille chercher des donuts. Ah ouais. J'ai plus de donuts. Bah moi les donuts, je m'en sers de Gloriole, mais bon, ça c'est hors service. What? Il est pas bien. Ouais, du coup, voilà, non, sinon, belle semaine, et puis même les boots, etc. Là, franchement, on est chaud de chez chaud, et je les sens bouillants, là. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien, ouais, vous débrouillez bien dans l'ensemble. Bah, merci beaucoup. Ah, mais nous, on reste la meilleure fournée, mec. Yo, des os. Ouais, c'est bien, moi, c'est vraiment l'élite, quoi. Ah, ouais. Pourquoi tu te tiens comme ça, toi? Parce que je suis bien, comme ça, je suis posé. Ah ouais. Ridicule, mec. Ouais, regarde, je sais. Comme si je me tenais comme ça, mec. Bah tu tiens comme ça, mec. Comme si je me tenais comme ça. Bah en fait, je me tiens toujours comme ça, merde. Pardon. Oh non. T'es vraiment. Tu veux partir en mari, toi ? Est-ce qu'on peut passer dessous ? En container, hop, mon pote. Hop, hop, hop. En container. Non, ça passe pas. Ouais, ouais. Soir, il faut que je parte avec mon bout, je m'en suis fasciné, hein. Alors, moi, je sais pas qui c'est, j'en ai un. T'es pas obligé de partir constamment avec ton boot, mais faut que t'aies un suivi en fait. C'est quoi ton nom, toi ? Moi, c'est Lucas Andolini. Mes respects, 381. T'as qui, toi ? Monsieur Costa. Oh, ça va, il est cool, Costa. Bon, ok. Ouais, mais moi, sauf que René, il a pas été là de la semaine dernière. Il a rien fait, le mien. C'est vrai, Nezos ? Dans sa vie. Cool, gros. Ah, merde. Et il s'appelle comment, le boot ? Stoneman. Putain, je vois même pas qui c'est, merde. Il y a une coupe de bandeur en plus. Lui, il va falloir qu'on l'attrape et qu'on lui rase sa tête. C'est pas lui qui marche un peu les mains en arrière avec une coupe, on dirait le mec de Stranger Things là, le méchant ? Non. Non ? Je sais pas. Ok, parce qu'il y en a un qui ressemble à un mec d'une série télé, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, je crois que Max nous a dit ça aussi. Mais vraiment, avec son t-shirt blanc, les mains en arrière et compagnie, on aurait dit. Ouais, c'est ça. Ah non, ça c'est Brian. D'accord. Alright, comment allez-tu ? Mes respects. Salut. Vous êtes très silencieux. Salut mon vieux. Ah bah non, arrête pas de parler. Moi c'est X. Ah. Moi j'ai mon référent juste soir, ici. Mes respects. Lucas, Young, ça va ? Sérieux ? Trop cool, bon. Tu te débarrasses de moi. Toi tout le monde, super cool.
Ah, ça va. Matricule, Oliver, déjà. Le plus beau, il est là. Impeccable, dépeccable. Voilà. Ouais, il coucou est là. Eric. Ouais. C'est quoi ton matricule, du coup, X. Ah, tu me tues avec tes X là. Pas 12. On va donner à qui, du coup? Ils sont chauds. Franchement, il y a bonne ambiance. Il y a bonne ambiance sur les 16-10, ça tue. Bah voici un on est parti. Faire de la découverte. Bah en fait j'ai demandé à Santine tout à l'heure pour la Edward, elle m'a dit non donc elle m'a dit 3ème semaine. Je pense que le bravo c'est pareil. Ça serait bien sinon de pouvoir tourner un peu avec les référents, non, ce soir. Ouais, ça serait cool. Que je vais aller partir avec mon référent. Ouais, histoire de de parler et tout. Moi je suis avec Harrington. Ça se voit, tant mieux, tant mieux. Ouais, mais moi je suis avec Monsieur Costa. Harrington, je l'ai annoncé, c'est le crack de sa promo. Et ouais, c'est parce qu'il était tout le temps avec moi, c'est pour ça. Non, c'est parce que c'est moi qui lui ai fait son entretien oral, c'est tout. Ah ah. Non, c'est parce qu'il a pas trouvé presque moi qui est avec moi, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est sad. Oh là là. Elle, c'est la shérif, donc. Shérif Santine. Je reviens, j'ai une réunion dans le bureau, apparemment. Ah. Et au niveau des pays, ça se passe comment? C'est du bénévolat? Ouais, non, je les ai. Bah, t'attends, hein. Ok, voilà. Tous les combien à peu près pour savoir. Tous les mois. Non, ok. Non, mais à la rigueur, je m'en fous, j'ai ma maison, mes voitures. Ouais, tous les deux semaines, trois semaines, s'il y a du retard, c'est voilà. Voilà. Moi, je vais pas te mentir, je dors de les cartons à l'arrière du poste, plus vite. Voilà, moi aussi. Ok. Yo, respect. Dans les vestiaires. J'ai mis mon petit matelas gonflable. Bah moi j'avoue que ma petite caravane là, bonjour, ouais, ça va. Bien bonjour, ouais. Bonsoir lieutenant. Ça va et toi? Vous pensez quoi? Ouais. Vous pensez quoi? Forme. Son jean Galote, trop bas là. Le... Ah, toi, là. Ouais, son jean, là. Comment ça va lieutenant? Ça va, ça a été tes vacances? Ah, ça troll. Parfait. Parfait. Bon, quelqu'un a vu Costa là, dans les parages? Il est dehors, ouais, sur le parking. Il est sur le terrain? Ah, il est là-bas. Ah bah il est là. Incroyable ce boot. Ouais, vous avez pas vu Sergent Nash? Négatif. Normalement, il débarque toujours après le dispatch Nash. Ok. Yann nous a dit demain soir, enfin ce soir du coup, formation Remington. Yo go! Comment ça va? Eh oui, gros, c'est la gang. Ça va et toi, SLV2? T'as arrêté des méchants? Ouais, ça va, ça. T'as pas aimé les Bamamamas parce que t'es déjà revenu? Ah ouais, c'est ouais. Bonsoir, Costa. C'était trop beau. C'était trop sombre, c'était trop chaud. Bout référent à vous. Mais respect. Eh bah, votre bout à également. Ouais, voilà. Un Cloca Sandolini 381. Eh bah, enchanté. Pareillement. Excusez-moi, je cherche un appel. On t'attend dans le bureau, Costa. Donc là, c'est mon référent, donc il va m'apprendre, il va me driver sur ce qu'il y a des choses à corriger, etc. Donc ça tue. Il y a un Darnell, voilà. Vraiment? Ok, tu bosses là ou pas? Du coup, ouais. Attendez, je crois que je suis convoqué. Ah, ouais, Kaïf. Mais on se voit juste après. Ah, avec plaisir, merci beaucoup. Ce soir, je t'appelle en fin de soirée, tu vas venir au Darnell. Salut, mec. Bonsoir. Je suis pas sûr que les Speedy veulent prendre cet appel. Hein. Bah... Dis-toi ça, tu rentres faire à manger. Costa, tu peux rentrer, vas-y, viens. Allez, salut. Dis-moi cette tête, j'en peux plus. Lui, comme il se tient, j'irai une toboggan. Incroyable. On a sorti une petite. Je vous fais une petite aparté, vite fait. On a sorti, là, j'ai sorti sur le Discord une partie graphiste. Donc, je vais aussi proposer mes services de graphiste, que ce soit les emotes, que ce soit les logos, que ce soit les overlays, etc. Donc, je vous laisse checker ça. Si ça vous intéresse, parlez-en autour de vous. Faites rejoindre les gens, il n'y a pas de souci. Et je détaillerai un peu tout ça. Voilà, tant qu'à faire, c'est mon métier, donc en faire profiter aussi. Qu'est-ce que je voulais dire sur quoi? Sur les sites que... Non, sur Via Word dehors, elle est dehors. Ah ouais, je me suis mis à Facebook aussi, Zobby. Ouais, j'ai posté de partout avec un nouveau compte. Allez, voilà, on est là. Ah, je suis fatigué. Déjà fatigué. Ouais, tous les jours, je suis fatigué. T'as pris ton service, tu te la prennes presque là. C'est vrai. Bon, ouais, vite fait. T'as bien bossé déjà. Ouais, j'ai bien pris. Ouais, j'ai essayé de faire mieux. Buzz bien. Ouais. Pour mon logo, car je suis pas un pro, avec plaisir, Nezos. Ouais. J'ai charbonné. On regardera. On vous entend pas parler si jamais. Bon. J'ai même commenté, c'est vrai, super. Ouais, on vous entend pas parler si jamais. Ah, on va aller voir dehors.
collègue. Un crack sur aussi. Non, par contre, mes respects. Andonini, j'ai fait une couille hier. Oh, qu'est-ce que tu as fait encore? En fait, t'as vu quand j'ai discuté avec toi de. C'était toi? C'était bien toi? Ben, le problème, c'est qu'on a entendu dans la radio tout ce qu'on a dit en fait. Et il y a le capitaine de l'ASPD qui vient me voir en disant on s'en fout de ta petite, de la petite cousine. Comment ça? On manque de respect à ma femme? Non, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'ils m'ont tout entendu. Ouais? C'est lui en radio hier. C'est moi en radio. Tu sais, il y en avait un qui disait ouais, il raconte sa vie et tout. Bah, c'est lui. Un conseil à ta radio, quand tu l'allumes pas ou quand. Eh, faut faire gaffe, c'est surtout quand tu n'y touches pas et surtout, tu ne te mets pas, tu ne la changes pas en la laissant éteinte. Ouais, bah c'est ça en fait, c'est ça qui m'arrive. Si tu la laisses éteinte en changeant de fréquence. Tu seras ça fout la merde. Tu seras forcément dessus. Mais oui. C'est pas ça, Wang. C'est ce qui m'a. C'est pas ça le truc. C'est que j'ai dit quoi? Non, mais c'est fait le bombarder. Sans le savoir, ouais, tu vas prendre ta petite cousine comme ça. Nanana. Il y a toute la histoire qui t'a entendu. Eh ouais. Eh ouais. Et, et juste moi après, en plus, j'ai mis. Enfin, bref. C'était chaud. T'as rien pris pour ça? T'as pas pris d'avertissement? Rien de tout? Non, le capitaine, il est venu et j'ai dit que j'avais un problème radio. Il m'a dit, bon, mais c'est la dernière fois quand même. Hein. Ouais. T'as eu de la chance. Ouais, parce que Reboot, ouais. Merde. Un blâme, c'est licencié. Un blâme, c'est vite arrivé. Hein. Ouais. Ah non, mais ça va. Il a été compréhensif. Il a géré. Problème radio, ouais, ça va. J'ai géré. Et puis tu me connais, je suis quelqu'un qui. Ah ouais. La base. Ouais, j'espère. Bon courage, mon pote. Force. Ah, mais ma soeur, hier, c'était pas mon jour. Je tombe du toit. Qu'est-ce que je dois dire, Kaiser? Qu'est-ce que tu dois caler comme mot? Il est tombé du toit aussi. C'est trop. Oh lolo. On va l'emmener à l'hôpital. Mais hier, j'étais un chaland. J'étais un chaland, hier. Je crois. Ah, il y a des journées comme ça, c'est tout. Tu vas te PlayStation, non? Oh, vas-y, viens, on dispatch. Bon, allez, moi, je vais dispatch. J'ai oublié qu'il fallait caler, moi. Krakito. Incroyable, ma cousine internationale maintenant, bordel. Ah maintenant sa cousine elle est connue de tous les SPG. Bordel de merde. Oh, je suis mort. Ouais, faudra venir au soir de chez Tati. Et putain, pour le mariage, je devrais inviter tout le monde alors. On reconnaît pas avec la casquette. Bah, ça va et vous? La vengeance est un plat qui se mange froid, sergent. Ouais. Bonjour à tous. Et oui. Merci, super. Comment il s'appelle depuis? Bon, allez là. Les gars, sous le trello, mettez-vous tous dans l'attente des dispatchs, s'il vous plaît, monsieur. Allez, tous sous le trello en attente des dispatchs, s'il vous plaît. C'est fait. C'est pas outil. C'est fait. Ok. Allez, le dispatch, on part sur le terrain. Allez, dépêche-toi. Pourquoi t'es énervé comme ça? Et pourquoi il y a deux X? Ouais, je t'ai juste dit de te mettre en dispatch. Le problème, c'est que mon étiquette, je la trouve jamais, moi. C'est... Oh là là là. J'ai fait 366, regarde, c'est dans l'ordre. Ouais, dans l'ordre, et je la vois pas. Je l'ai calé comme ça, hein. Et wouh. C'est pas ses crèmes, gros. Super, regarde, j'ai déjà qu'ici, j'ai essayé de pète les plans. Mais comment vous la voyez? Bah, parce que c'est marqué dessus. Regardez, vous voulez le meilleur salut? Non, moi, je ne la trouve pas. Regardez, regardez. Chiche. Pour faire quoi, en haut à droite? Quoi? En gauche. Ouais. Allez, on est chaud. Je sais pas ce qu'on va faire ce soir. J'espère que je vais tourner avec mon référent, histoire de le découvrir, etc. Je connais pas Pango Costa, je le connais pas encore. J'ai pas tourné avec lui, donc ça peut être intéressant. On va voir un peu tout ça. Incroyable. Ouais, je crois. C'est bon, j'ai trouvé ta carte, je te l'ai mis. Merci Marcus. T'es toujours stressé à marcher comme un outil élu. Les gars, t'as pas gros, ils sont là les modos. Short fire. C'est toi Caleb? Ouais, chez moi, deux secondes. Mets-moi en co, s'il te plaît. Ouais, bah si vous me dites pas tous les choses à la fois, ça va m'aller. Bah attends, t'inquiète, je t'ai dit. Mets-moi en coco. Non, non, justement, touche à rien pour l'instant, s'il vous plaît, tous. T'inquiète. Ouh, il est chaud. 3-0-4, 3-0-1, 3-12. Yep. Viens, mon boot. Yep. Merde, il est là, mon boot. Mon petit boot, là. Il est là?
Ouais, je suis là. Allez, let's go, on y va. Petit boot. Oui, oui. Comment ça va? Bah, ça va très bien, vous. On s'appelle après pour vu que t'es élu mon boot. Ouais, ouais, on se capte fan, après, on se fan, ouais, 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 on se bip. Il est fou, lui il est. Il a craqué ce slip, gros. Pour, Par contre, j'ai vu que tu peux même tourner un Lincoln, etc. Donc, à voir. Du coup, toc toc toc. Le reste. Je vais partir en canine. Ouais, ok. Oui, allez-y, je sais pas. Tu pars avec qui, Cody, du coup? Est-ce que j'ai le droit de partir en Bravo, mec, un bout? Hein? Là, tu parles à du. Un Bravo avec un bout? Avec mon bout référent, je sais pas si en vrai, si c'est nager, ça devrait aller quoi. Je sais pas. Bah, il plongera pas. Je me suis noyé quand j'avais 6 ans, mais je pense que ça compte pas, non? Ils ont pensé, sergent. Vas-y, on partirait ici. Au pire, tu flottes, tu fais la planche. Ouais, bref, je m'en fous de vos avis là, de vos blagues. Du coup. De bonne humeur, lui, le tête longue. Lui, il est énervé, tu sais pas pourquoi. En vrai, je préférais m'adresser à Nage qui gère la Bravo. Ouais, ok. Cool. Bah justement, c'est 4 fois j'essaie de la pour ça. Vas-y, je vais me changer. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas de réel problème. Il est là, Nash, il est là. En vrai, il est dans le couloir. Ils sont énervés, Oui, c'est une patrouille en bateau. Moi, pour moi, il n'y a pas de réel Nash, problème. Okay. Mais après, Sergent, vous voulez aller en canine de qui? Je pense que Sergent, je vais partir avec Costa, mais j'attends une question ce soir. Formation, il est dans le bureau. Ouais, je vais l'appeler. Ah, il est dans le bureau. Du coup, Fibre, faites quoi? Peut-être les perdus surtout, ouais. Moi aussi. Allez, vas-y cousin. Deux Lincoln Sierra. Ouais si tu veux. Yep. Vas-y Bago. Ah vous pouvez vous mettre à deux en hein, Sierra. Ouais. Ok. Ok ok. Alright. Bah merci. Pas de soucis, et la prochaine fois mettez votre carte où il faut, putain. Bah elle était bonne notre carte. Non la vôtre non. Ah si elle y est, putain, my bad. C'est moi, j'ai rien pour rien. Ouais. Cooper, moi du coup, vous... Pour une fois. Vous prenez un bout parce que sinon il va en avoir trop sur les bras. Ouais. Laissez-moi Rington, c'est le mien. Okay. En vrai, Rossi, moi il a l'air bien là, je le sens bien là, je le sens en forme. Alors, Rossi, du coup, partez avec Cooper. Bon, Rossi. 3-15. Soyez endormi. Hein. Allez, on y va, Rossi, go go go. On va voir avec qui nous mettent, hein. Je sais pas. Faisait le placard. Le sergent parce que je crois qu'elle a envie de partir au canine. On va canine. Allez hop. Attention à vous messieurs. A plus tard. Mais j'ai une autre question du coup. Est-ce que j'ai le droit de partir en Bravo avec mon bout référent? Via Costa. Ok, bah bravo avec mon bout référent, 302-33. Yep. Let's go! Il prend pas la barre, il plonge pas, il. Ouais, ouais. Bon, et moi, je me branle les couilles! Ok. Bravo 302. Ouais. Et puis, c'était. Lequel votre bout référent? 333. Arlington. Ok. Alright, c'est bon. Merci. J'ai beaucoup d'unités. Du coup, sergent, vous m'appellerez à téléphone si vous faites formation? Hop. Du coup, sergent. Du coup, moi je vais tourner avec. En face, il y a. 380. Andoni. Oui. Ouais, nous, il reste une place au cas où il faut qu'on prenne mon bout ce soir, si bien. Du coup. Partir en Adam. Adam 323. 381. Hop. Bah. Je sais pas qui c'est. Qui c'est lui, 21? Du coup, vous êtes en. 23. Regatta Fraud? Au Fraud Contender, ouais. Ah ouais, non, my bad. Au Fraud. Il a la tête longue, son perso, je trouve. Ouais, vas-y. J'ai envie d'en foutre. Tu tues. C'est vrai qu'il y a des têtes quand même, des persos de GTA, ils te tuent. Ils sont ensemble, ils sont en canine, donc ils sont sur OP en fait, c'est pour ça que ouais, c'est mon bout qui il allait direct. Je pense. Yep.
Je suis en 19-18 et c'est sûr d'être en 19. Ouais. J'ai vu que vous êtes en off-road, vous devez être sur les deux normalement. Mais... Yes, yes. Ouais, j'ai pas de chat. Moi, le mien, il est parti direct sur notre OP. Papi. On verra. Toi, tout le monde a été dispatch là hein. Yes. Ouais. Ouais, et puis s'il y a Standman qui arrive, tu m'appelles pour me le foutre avec moi vu que c'est mon boot. Il l'a dit 15 fois, frère. Si j'y pense. Donc, 23, c'est vous. Allez. Allez, c'est parti. Yes. Oui, Sanford. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Allez, on est parti, on est chaud. Ouais, j'en ai aussi, mais ça pose pas de problème. Bon, moi, on aura du véhicule de sergent. Tu prends quoi comme bateau? Ok, ils sont incendiés. Non, c'est là que tu vas faire du bateau, ça va. Ça va, Jay? Ouais. Tranquille, mon gros. Non, absolument pas. Kinkari. Non, rien. Du coup, ouais, si tu peux me prendre la plaque de ton... Preda. Vous pouvez me sortir ma Buffalo? De quel côté, s'il vous plaît? Donc, du coup... Quel étage? J'ai vu qu'il y avait des étages, pardon. C'est ici, c'est étage... Tout, c'est combien déjà? 4, 5 4, normalement. 4. On va espérer. Non. C'est 5, Lucas. C'est 5. Hop, la Buffalo de 0, comment 0,23. Ah putain, on voit rien, frère. Buffalo 0. Pour rentrer sur les appels de LS, notamment le dernier 1059. J'essaye, hein, mais. Négatif pour la Tango 304, on est dans le nord actuellement en train de faire les derniers 1031. Vas-y. Vous voulez conduire? Oui, oui. Ok. Comme ça, je vous vois à la radio. C'est ouais. Plutôt ça souvent. Cool, wouh! C'est qui là? 380. Ok. Votre matricule, je monte là, on s'en fout. J'ai pas compris. Dites votre nom. Votre matricule, on s'en fout, dites votre nom. Ok. Même au collègue? Oui. Oh, ok. C'est qui le voit? C'est un genre d'âge, c'est Marc. Il est en forme, lui, hein? Yes. Me régaler, là! Tu peux sortir ma stanière, s'il te plaît? Allez, danse, c'est tout, moi. Ok. Ça, vous faites passer un. Non, aucunement. Ça sent bon, j'avoue. C'est qui gifle là, là? Alors, du coup. Secteur, ok, 19. Mais en opérateur, sergent. Aller à plus. S'il y a personne d'autre, oui, mais ouais, c'est, comme vous préférez. Pas chaud, c'est bon, c'est vous. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, Jim, c'est ça. Allez, let's go. Rappelle qu'il n'y a pas d'unité actuellement à l'SPD sur le terrain, donc si vous pouvez prendre les appels, s'il vous plaît, notamment 1060 et dernier 1059. Merci. Allez, affirmatif, messieurs, on se bouge le FIAC là, on va sur les appels. Le FIAC. On se bouge. Le FIAC. Ok, let's go. Allez. Bon. J'ai pas regardé encore tes rapports, toi, que t'as ouais. Sur ton carnet. Sinon, tu en penses quoi de toi déjà pour cette première semaine? Très bien, j'ai vu beaucoup de choses, à part faire la radio, pour les automatismes. Et sinon, j'ai fait des délais mineurs, des délais majeurs. Il me manque apparemment des contrôles de routier, mais pour le coup, je comprends pas parce que j'en ai fait 7 ou 8. Mais je pense que ça n'a pas été noté, mais c'est pas grave. De toute manière, voilà. Non, sinon, j'ai vu l'ensemble un peu des choses à voir. J'ai participé à une OP aussi au niveau du gouvernement. Là. Attends, pour... excusez-moi. Ouais. Oui, Stanford. Oui, clairement. Oui. J'ai l'impression d'avoir 12 ans. Ah, c'est ton boot, lui? Ah, on est parti, hein. Qu'est-ce qu'il y a? À nous de s'imposer, ah, les gars. Ouais, non, mais moi j'étais pas à 180. Non, j'ai fait 160 en général. À nous de s'imposer. Oui, je suis au courant.
Demain, petit rappel, 8h30, on se fait du extinction, hein, les gars. On crame tout le stuff demain. C'est le dernier live extinction avant le wipe. Tu penses si ça a déjà été, il a déjà été convoqué ou pas? Ok. Ok, bah non. Problème réglé dans ce cas. Enfin, la convoque est... Merci Rocket qui booste le live. Merci mon gros. Ah, ok, il s'est pas encore présenté. Tac tac tac. Mais ouais, il a fait de la grosse. De la merde. Voilà. C'est un stop. Hein. Merci Ludo qui booste le live aussi. Vous dites vous dire que c'est un stop. Hein. M'en fous. Ouais, toujours. Wow. Le dispatch est saisi, s'il vous plaît. J'aimerais un petit peu de réaction là sur les appels. Plusieurs fois des appels qui sont pas pris. Monsieur, vous nous entendez? 313 indisponible. Ok, bougez pas, ils vont pas tarder d'arriver les médecins, hein, monsieur. Ouais, il a toujours son pouls, par contre, il est pas bien. Wilfried ? Ok, il s'appelle Wilfried. Ok Wilfried, pas de soucis. Restez sur le côté, en position PLS. Ouais, ça va aller. Bon, vous faites réaffecter secteur 16, les gars, parce qu'il y a trop d'appels et les autres, ils suivent pas. Allez, Shala, tu construis ta villa. J'ai pas vu, sinon je l'aurais fait direct. Merci, gros. Donc on redescend? Ouais, on va redescendre. Yes! Utile de monter, hein. C'est ça qui est cool. Par contre, pour le coup, notre carte, je la bascule en secteur de 19-16? Ouais. Ou pas, je toucherai. Non, touche pas tant que. Okay. En fait, là, c'est temporaire. Très bien. Ouais, donc du coup, voilà. Du coup, sinon, beaucoup de. On a fait l'OP, on s'est fait bombarder de cocktails Molotov, de ci, de là, etc. Mais sinon, non, c'était cool. C'est... Voilà. Et puis, au niveau des de mon référent, j'attendrai de voir un peu, parce que je le connais pas du tout. C'est qui? Costa. Oh, d'accord. A315, c'est un code 4 au niveau du champ de cocaïne. Bah, tu l'as vu tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure, mais voilà, j'ai jamais tourné avec, etc. Donc, jamais pas tourné avec. Voilà. Tourner une tournade, de gros. Non, eh oui. Donc, non, du coup, voilà. Sinon, comme je dis, il y a toujours l'appréhension d'école. La difficulté, c'est l'école, c'est ça? Pas forcément une difficulté, mais l'appréhension de mal faire, alors que pour le coup, c'est hyper con, entre guillemets. Hein, c'est mis bout à bout, c'est du réflexe. Et je pense qu'il y a que la pratique qui fait que. C'est. Ça dépend des calls, en gros. Ouais. C'est. Comment dire Comment je pourrais dire? Les calls classiques, on va dire, style. Vous allez sur une zone, vous prenez un appel, enfin votre situation actuelle. Ça, honnêtement, vous pouvez les connaître assez facilement. Bien sûr. Vous avez, c'est pas des calls que vous êtes obligé de faire de manière instantanée. Vous les faites avec 30 secondes de retard. Bon, on s'en tire un peu les reins. Mais ce qui va être plus dérangeant, c'est pour les calls de type course poursuite. Là, ça va, il va falloir call, il faut qu'il soit instantané, il faut le faire tout de suite. Ça, il faut les travailler, il faut avoir terrain, hein, après. C'est ça. Là, vous avez pas le choix pour ça. C'est ça. Comme lui. Il va être à la radio. Il s'en fout. Ouais. J'ai pas fait attention en fait. En même temps, il faut que j'étais en train de regarder votre carnet. C'est pour ça. D'accord. Oh, ok. Non, il vient de. Sans inverse, sans sautant, etc. Ah, pas merde. De casque, rien. Ouais, non, sinon on l'aurait bien interpellé. Donc voilà, non, sinon c'est cool. Et puis j'aime bien l'ensemble du service. Ils nous avaient vendu ça comme service mou, etc. Les gens quand ils parlent et compagnie. Et ben moi, ma première semaine, je l'ai trouvé hyper complète. Et pour le coup, j'ai pas touché à tout. Donc il n'y a que du bon à venir. Et je suis plutôt content.
Ouais, j'ai votre carnet sous les yeux, du coup je vois qu'il vous manque du coup en nom acquis ou cours d'acquisition, enfin voilà. Procédure d'élimageur. Je l'ai fait hier. Vous en avez peut-être fait, mais ouais. Elles sont peut-être pas encore parfaites ou quoi. C'est sûr. Ok, bah putain, parce que c'est pour le coup. Que ce soit en cours d'acquisition. Ok, ok. Contrôle routier, apparemment. Ouais, c'est ce que j'ai le plus fait. Je vais regarder. Je vais regarder si c'est noté au-dessus. Parce que là, c'est sur le bilan, ça. Contrôle. Petite erreur. Pas vu. Pas vu. Un contrôle, acquis, mais... Ouais, c'est quasiment acquis. Il doit manquer un ou deux trucs, on verra. Bah, je crois que c'est bien chipoté, surtout. Faut déconner. Le KN 366 à 500 mètres, dernier 1060. Ah, bon, bah, parfait. On va regarder ça. Du coup, après recensement, jamais fait le recensement ? Bien sûr. Avec la photo par deux fois. Ah, ok. J'ai même les noms en tête encore. Ah, ah ouais, avec le petit crenellage et le petit, la petite flèche sur le côté. J'avais même marqué qu'il appartenait à une crew de motards, etc. Le type et l'autre, il était. Comment ça s'appelle ? C'était un apparenté à la famille Bonelli. Ok. Donc, voilà. Ok, ok. Yo Rita ! Le dernier truc, c'est la radio. Ça va ? Mmh. Mais la radio, je pense, c'est plus. Faut voir par la suite avec l'expérience. Enfin, un peu plus d'expérience. Bien sûr. Ça va, Rita, tranquille. Par on est là. Sinon, il y a des spécialités qui vous intéressent ? Oui, je crois, ID, il me semble. Vraiment, ce qui m'intéresserait, ouais, c'est terrain d'enquêter, de. Voilà, être un homme de terrain. Voilà. Après, là où je suis à l'aise et que j'aime beaucoup aussi, c'est l'hélicoptère. L'airport. Okay. Et voilà, mais après, je sais pas s'il y a tout de possible. J'ai vu une collègue qui avait une oreillette un peu comme moi, de la même marque que moi. Et je crois qu'elle est passée à la canine parce qu'elle pouvait pas forcément être sur certains endroits. Ouais, je suis dans le même cas que vous. Mm-hmm. Donc pour GND et ID, c'est compliqué. Il y a certains trucs. C'est quoi, c'était une tank ça ? Non, ah d'accord, une 4x4. Okay. Non, je crois que c'était. Putain, on aurait dit un tank le truc, ouais. D'accord. Je l'ai vu passer, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était exactement. Du coup, ouais, y a certains sujets un peu plus sensibles à la IA et à la GND. Ouais. Après, vous pouvez tout de même en faire partie, mais faut juste savoir connaître les sujets sensibles. Ouais. Sinon, à côté, il y a K9, SATD, il n'y a aucune restriction pour ça. Oh, K9, ça m'intéresse pas trop, en vérité. Je trouve ça mignon, hein, mais ça me chauffe pas des masses. Oui, après, c'est chacun son truc. C'est ça, ça me chauffe pas des masses. Je préfère à la rigueur, s'ils ont besoin d'un des unités vraiment héliportées, tout ce qui est hélicoptère et compagnie, là, ça, je pense être très très à l'aise. Air support unit. Ouais. S'ils savaient okay, le shoot ouais, que j'ai fait au sniper en hélico. Une division en vue. Oh, on est à 900 mètres du 1040. J'annonce ? Ouais, annoncé. 3-23 à 900 mètres du dernier 1040 sur Alvaro. Ah non, merde, putain, c'était pas Alvaro. 3-23 à 900 mètres du dernier 1040 sur Alvaro. Messieurs, on obtempère là. Allez. Messieurs. Je sais même pas ce que c'est comme véhicule ça. Signal qu'on part en T56 d'un véhicule. Ok. Le 1040 se transforme en 1056 d'une voiture rouge type berline. Je n'ai pas la marque. Occupé deux fois. Dis juste type quelque chose, ça sert à rien de, okay. De stipuler que t'as pas la marque. Ok. Tu dis une voiture rouge, ça passe. Ok.
Oui, Crawford. Fisberg. Andolini, tu peux regarder sur le dispatch si Fisberg est en service. Ouais, je regarde ça. Fisberg. Moi-même, je suis en course pour suite. Ouais, il est en service, apparemment c'est 3.19 et il est en Adam avec 3.60. Oui, il est en service. Oui. Ouais, après il faut connaître à fond les procédures, etc. pour pouvoir s'éclater, je pense. Okay, bien pris. Je pense aussi, après tu sais, dans l'habitude, une fois que t'as l'école et tout, c'est un peu casse-couille et rébarbatif. Mais d'ailleurs, une fois que t'as acquis ça, c'est cool. Je pense qu'en fait, ça va tout seul. 3.19 je crois, ouais 3.19. 3.23 pour 3.19. Ah il abuse quand même le mec à passer comme ça devant chez les flics. 3.23 pour 3.19. Passez par TPH messieurs s'il vous plaît. Il abuse un peu à passer comme ça par devant la police, non devant Vespucci quand même. Ouais, allez-y. Faites un 19 au tribunal. Ouais, j'ai déjà la plaque, hein. En tout cas je l'ai dans mon téléphone. Hein. Je sais pas si vous m'entendez toujours. Y a-t-il un code 5 établi sur les 1060 de Buchanan? Ok, c'est parfait alors. Ok. Et pour Tango 304. Si éventuellement on la perd. Vas-y. T'as bombardé ça comme voiture? La sienne? Je connais pas du tout, j'ai rarement vu ce modèle, honnêtement. Ok. Mais ça a l'air de tenir en tout cas un peu la route. C'est déjà ça. Ouais. Au pire, est-ce que tu peux appeler Fisburn pour voir s'il a bien pris mon call? Grosso merdo, il doit se rendre au tribunal demandé par Crawford, il est convoqué. On a dit Fisburn 19. Fisberg? Allo? Ouais. Oui, 380, Lucas. Ouais. Ouais, impeccable. Apparemment, vous êtes convoqué au tribunal. Ouais, voilà. Ouais, j'ai vu ça, on m'a appelé radio, merci. Eh ben, on vient de me dire de vous appeler téléphone, donc c'est nickel. Oh, okay. Eh ben, à tout à l'heure, merci. Allez, à tout à l'heure. C'est bon. Il était au courant? Ouais, il était au courant, il a appelé radio. Ok, pas parfait. Eh oui. Coucou, Audrey, ça va? C'est pour ça. Droit à gauche. Yo Mims, ça va poulet? Encore gauche. Ouais. De dispatch, il y a 16 IST, il y a une actuellement il est en code 5 autour de la casque 1060. Je l'ai pas vu partir, merde. Non mais il était pas à droite ni à gauche et pour moi tu continues. Yeah. 4 King 330 du Miranda. Il nous a pas mis une telle distance à mon avis. Non moi non plus. Je suis en train de check derrière moi. J'ai pas vu tout droit. Il était là. Ah, quand faut pas me le dire. Bah, c'est bizarre. On devrait back, non? Ouais, à mon avis, il y a moins qu'il soit dans le secteur, je sais pas. Ouais. Attends encore un petit peu avant de faire le call. Regardez toutes les allées, les trucs comme ça, je regarde. En face j'ai rien, donc à droite. Derrière j'ai toujours rien. Ok. Après il faut que je check aussi en disant que je vois les choses. Je peux pas voir par exemple au-dessus des trucs. On les rechappera sur autre chose. Ok, donc j'annonce. Pour dire qu'on a perdu déjà. Ouais. Donc je dis quoi, on a perdu le dernier 10-56 Perdu 10-56. A323, on a perdu le 10-56. 4. Et je peux faire quoi? T'aurais pu faire un rappel du véhicule. D'accord, ok. La prochaine, ok. Yes.
Dommage. Wop, c'est le jeu. Tu vois, c'est ça qui est mignon. Le mec, il a réussi son coup. Il est là aussi pour le faire avancer, le mec. Yo, le tuner, ça va quoi? Bien. Bienvenue chez les TLG, gros. Tiche. On a quoi en stage? Non, 10-98, parfait. Ça. Yo, faut 3-13, on fait un check au niveau du phosphore. Ah, les checks, ils ont été faits quand? Ok, ça fait un moment. J'ai regardé, ouais. Ah oui, il y en a un, l'acide, ça date. Ça date, mais je pense qu'il a pas été refresh. Avec plaisir, le tuner, avec plaisir, gros. Bravo 302, code 4 sur l'acide. Voilà. Bah, au moins comme ça, voilà. Il y a une unité marine, donc autant en profiter. Ouais, c'est ça. Bon, bah, on est bon là, hold up! Allez, on est reparti, les gars! On est reparti. Où est-ce qu'on va aller? Là où le devoir nous appelle. Ouais, pour le moment, on n'a pas d'appel. Donc il a là où le devoir nous rappelle. Et au fond 313, c'est code 4 sur la récolte de phosphore. Tu joues sur quelle plateforme? PC, poulet. Après, tu sais où sont les récoltes. Ouais. Ok, parfait. Le A315, c'est un code 4 sur les 1060 de Buchan Airway. Et si on demande un renfort, c'est besoin de 10-35, c'est ça. On est sur PC, sur GTA Life, mon gros. Même dans les quartiers, ça a l'air d'être très calme. Trop calme. Ouais. Ça me donne envie presque de tourner dans les extrémités un peu de la ville, les petits coins tranquilles, etc. C'est qui, ouais, le grand pont là? Ouais. On a déjà eu des fusillades sur des endroits éloignés, c'est pour ça. Ouais. Là, j'aimerais bien regarder. Ça. Ah ben. Bah. Ah. Non, mais c'est pareil. On va faire le tour. C'est ça. Après, si j'aime bien regarder des endroits, j'ai des endroits un peu fétiches, le pont en dessous là, le grand pont, là où il y a le petit truc d'eau là. Qui rejoint les deux quartiers, on va dire en dessous de l'Underbridge. C'est ce grand qui rejoint la mer là, qui rejoint l'océan. Oui, je vois dans les canaux en gros. Ouais, les canaux, après il y a côté barrage, excentré barrage, plein de petits endroits fort sympathiques. Pas loin de l'antenne, des trucs comme ça, etc. Ok. Là c'est Mariole sur côté gauche. Ouais, c'est bizarre. C'est quoi? Mariole, sur Sandy Shore, Mariole, ça veut dire c'est dangereux, c'est taquineur. Ah, okay. C'est dans le sud de Sandy Shore, excusez-moi. D'accord, ok. Mariole, c'est Marseille, ouais, c'est pour après, ça. Je suis pas de Sandy. Ah 3,22 à 100 mètres. C'est vrai. Oui. C'est capté, n'hésitez pas si vous en étiez canine. Ma tante aussi. À côté pourtant, entre Liberty et Sandy. Ah non, j'ai compris Libertine, pardon. Ah non, mais... Ok. Non. Je parlais de Libertine. Nous sommes à 8,3 km du dernier 1047, unité plus proche, pardon. Au flot de 3,75, on est à 1,7 km. Ouais, par ici tu peux avoir des choses aussi. Dangereux par ici. Hein. En soutien, s'il vous plaît, ton de A315, on prendra le check spirit. J4, merci. Elle a pas peur, hein, Meriwether. Chaud là. Ok. Même ici, dans le par ici, c'est calme. Étonnant. Oh, moi je mise un colline. Colline? Moi, je sais pas, je pense. Il se passe des choses bizarres. Quand on voit personne, c'est qu'ils sont excentrés. Hein. Et pour sortir comme ça des quartiers et compagnie. Tout au moins, on a vu les minots à vélo, tout ça. C'est un truc, mais juste on le voit pas. Ouais. Au flot 375, le dernier 1040 se transforme en 56 d'une primo noire occupée de fois. Ouais, Shornox. Ça va ou quoi, gros? Tranquille, hein?
Comment on va? Tu vois un truc dans les dans le port? Pas grand chose, je check. Ça va très vite quand même. Ouais, là, je passe vite là-dessus pour pas qu'on, au cas où, bien sûr. Des gens qu'on se fasse pas repérer direct et qu'on puisse prendre la fuite, au cas où. Tu check à droite, non? Ouais, je check un peu. Ah oui, au fond derrière. Ouais. Effectivement. Je regarde à droite. RS. RS. Ok. Container aussi. On peut s'arrêter ici ou pas? Deux petites secondes. Oui, oui. À côté du conteneur rouge calé. Le conteneur rouge. Derrière la grue. Se mettre en cul à côté de la grue comme ça on est caché. Et sortir les jumelles et peut-être regarder les rives en face comme on est bien positionné là. Voilà. Ah oui, d'accord, oui. Parfait. De toute façon, pour tout ce qui est rive, je pense les. Il y a un préda qui est sorti. Mais là, c'est assez calme la mer, donc c'est pas mal. Ouais, bon. Là, il est sorti, mais le temps qu'il arrive, c'est fait le tour de l'île qu'il y a quelque chose. C'est le bourg qui est foutu. C'est quoi? C'est le bourg. C'est le beau? El bourreau. El bourreau? Où ça? À gauche, ouais? Le quartier, oui. Le dispatch, ouais, ouais. C'est Zia Edor 354, vous allez intégrer 364, merci. Ouais, ça m'a. RS, ouais. Code 4. Hein. Moi, ouais, c'est plutôt ces trucs de boulot, etc. qui me plaisent. J'ai l'impression qu'il y a que. Ben, ça, d'investiguer tout ça. J'ai l'impression qu'il y a que moi. Non, il n'y a pas que toi, gros. Et heureusement, gros. Sinon, je serais pas partenaire. Non. Alors, pas d'abord. Heureusement, frère. Rester sur le circuit de la Filou Cup. Mais c'est une bonne réflexion. Ça donnera peut-être au modo une idée en fait de ce qu'attend le viewer, c'est-à-dire de parler de voir tout ça. Et quoi, je serai même pas seul. Je suis là aussi, tu vois, cher. Ouais, personne à bord. Ah, ok. Ok, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, est-ce qu'ils l'ont laissé? J'espère pas qu'ils l'ont laissé plein quand même. Ah, 315 code 4 sur le check superhead. Droit 322 ou code 5 au niveau de la. Y'a rien, hein? La casse, s'il vous plaît. Ok, parfait. Près du cas de fois en drive. Ok, parce que ouais, je crois que c'est ces camions-là, ils sont à une société qui est dans le nord. Ouais. Bah, il ressemble à ceux de la société. On avait les mêmes dans le sud. Hein. Ah ouais? Ouais, Astali. Après, c'est un standard aussi. Hein. À, l'une, 3, 10, bon. 17. À l'unité qui est sous la casse, on a établi un code 5, messieurs. Je vais quitter la zone maintenant, s'il vous plaît. 32, ça a été call littéralement il y a 5 secondes. À l'unité et l'SPD qui viennent passer. S'il vous plaît. Ah, il y a le SPD qui reprend du service. Ah, sans doute, c'était à la cérémonie, ça va. Ouais, qui a fini la cérémonie. Je pense, ouais. Ok, parfait. C'est qu'on a tellement d'appels aussi, c'est compliqué à gérer. Hein. Bon, après, ça va bouger. Mais généralement, voilà, oui, ça bouge oui. Tranquille, quoi. Tranquillamente. Après, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'appel que ça fait rien. C'est on sûr. Le sait. D'ailleurs, on suit mon instinct. Vas-y. Droite et okay. Tout droit. T'écoutes, clairement. Déjà, on voit qu'il y a une bagnole bien amochée de chez eux là. Parmi toutes les voitures ouais, qu'il y avait. Il y avait quelques voitures. Il y avait déjà plus de voitures que chez les Avagos ou même
Familiste, je crois pas en avoir vu en passant. Ta casse avec ton avis, la télé, vraiment dans les conditions TLG, la base quoi. C'était dans le garage après, hein, c'est possible. 2-3-75, l'individu est actuellement dans le chantier, il s'est retranché dans le chantier pour le dernier 10-40. Au niveau de l'ancien concessionnaire. Est-ce que vous avez besoin de soutien ou... Ouais, affirmatif, parce qu'il prend des passagers étroits avec lesquels on passe pas avec le contender. Chacune 3-3, je viens en soutien. Hold up. On peut continuer là. Yes, yes. Yo, bienvenue. On continue à droite ou... Ouais, à droite. Ouais. En fait, Tu me dis où tu le sens. Ouais. Bah déjà la station essence et après on va faire un petit demi-tour. Ok, bien prêt. Je pense. On va regarder un peu. Station essence, on se fait le middle et après on se fait demi-tour dans la station essence. On est bon, c'est bon. Ouais. Yes. On aurait des voitures, un paquito. Paquito. Underbridge qui est ouvert. Là tout droit et après on va bifurquer. Ok. Prochaine à droite ? Enfin, prochaine sortie ou ? Prochaine sortie de terre à droite. Pas ici, ici. Ouais, c'est pareil. On va check, on va regarder. TLG Team le gros. Parce qu'on vient de là, c'est pour ça. Ouais. Je vais voir quelque chose. Je vais voir quelque chose pour retrouver le truc, le chemin. Par rapport à tout à l'heure. Déjà, on peut check. On peut se faire un petit check gauche pêche, vite fait. Parce qu'elle est interdite. La pêche est illégale encore. TLG Gang, gros. La base. Alors, est-ce qu'il y a des gens ? Bon, ça de suite. Au flot 375, du coup, on a perdu l'individu au niveau du Mayence Motors. Pour rappel, c'est une Primo noire occupée deux fois. Là, en tout cas, non. 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 Non, non. Ok, parfait. Parfait, parfait. Parfait pour le braconneur, pas pour nous, bordel de merde. Non, on est chaud là, putain, on est bouillant. On est bouillantissime là. On peut reprendre à droite à la rigueur. Ok. Je vais checker l'endroit que je voulais checker là tout à l'heure, mais il faut prendre, faudra pas retourner vers l'autoroute de droite, faudra continuer tout droit. Là on prend pas à droite, on prend en dessous. C'est ah c'est pas par ici. Ouais. Si c'est ce que je pense, c'est pas ici. Bah si c'est ce que je pense, c'est pas ici non plus. Ouais c'est. Mais c'est bien, on repique, c'est bon, on ouais, repique vers la ville. Je vois que c'est. C'est la petite montée, ouais. Ouais, allez, ouais, allez. Voilà. Ouais, ça le fait aussi, ouais. Mais c'était la petite entrée des chemins, là, qui rejoint limite au barrage. C'est juste après. Bah, juste après à gauche, je le vois, là, sur la carte. Prochaine, ouais. C'est la prochaine. C'est le prochain échangeur. Yes. Cette patrouille est mignonne. Ouais, vous êtes marié et tout ou... Ah non, pas marié. Ah ouais. Ah bon, j'ai encore un peu le temps quand même. 10, 40, c'est vrai. Oui, bah j'ai que 33 ans. Ah ça va. Attention, après les spermatozoïdes, ils moisissent, hein. On va dire ça, oui. Voilà. Ah oui, putain, oui, c'est vrai, il est éolienne, etc. Non, c'était celui-là de passage que je voulais. Mais éolienne, on va passer par l'autre côté. Ouais, par contre. Mais par contre, c'était pas celui-là de passage que je voyais. Mais c'est pas grave. Ouais, non, mais je sais. J'ai et on va faire un demi-tour en fait par là. Pas de soucis.
Comme ça, ça nous permet de check plusieurs endroits en même temps. Bien sûr. Très important. De prendre de la hauteur aussi sur des choses. C'est ça. Là, on va avoir un bon visuel en plus sur Power Station où c'est possible. Et ça vend de fou le soir aussi, quand même. 137 dans les canaux. Moi, qu'en après-midi, quand même. Ouais. En après-midi, je crois que c'est, y a, ah, ça vend quand même pas mal. Dispatch LSSD à dispatch LSPD, pardon, pardonnez-moi. Vas-y, la canine. Canine 366, 3 km du 1040. Directification 1060, excusez-moi. Coup de dispatch LSPD. Ah, ça me semble bizarre qu'il aille sur un 1040 en canine. Votre réunion est terminée actuellement. Affirmatif, vous pouvez réaffecter vos unités dans les secteurs appropriés. 10-4, c'est reçu, merci. Ok. Alors, parfait. On a notre visuel. C'est 92, on prend en charge une chambre chaise qui sortait des canaux, c'est bien celle que vous suiviez. Alors... C'est bien pris, on est derrière. Et le parking Marie 40, on est disponible pour la chambre chaise. C'est bien pris, on est en train de se diriger actuellement place des cubes, on passe au niveau du... Ok, code 4. Ah non, on a tourné juste avant le parking rouge. Je vous fais un 10-35. Ouais, RS. Ok, ok. 99-10-98. Oh. Oh putain. Ça, ça me sauve la vie. Ça, tu prends et tu grattes. Oh yeah! Oh yeah! Ça, c'est pour les ours. Hein. Voilà. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base du summum. Voilà. Oui, pas de soucis. Ah putain, c'est trop bon. On va prendre un raccourci. Ouais. Parce que sinon, on en a pour 3h30. Bon, ok. Et c'est un peu long. C'est un joli terrain de rallye ici. Ah, clairement. Madame 01, on a un code 5 sur les derniers 1060. Ouais, à gauche. Clairement, clairement, c'est pas mal. En rallye, je pense que ça pourrait être un... assez fun. Ouais. Mais j'ai pas de voiture de rallye, donc dommage. J'avoue. On est derrière, vous pouvez arrêter. Je languis quand même de tourner autrement, hein. C'est-à-dire de prendre ta bagnole, etc. et compagnie, franchement. Hein. Oui, il y a un camion qui est rentré dans un Power Station, je pense que c'est une entreprise. Mm-hmm. On est parti, hein. Par contre, il va falloir... Là. Ouais, c'était là. Voilà. Là. Gauche. C'est à gauche. Là. Là. Oh, ce quart de lune, on dirait, pour ne pas citer certains studios de dessins animés, bordel. Incroyable. Bon, bah ça te trouvait des méchants, là. Bah oui, c'est la base. Le travail des rêves. C'est ça. Je sais même pas ce qu'il faut comme dessin animé. Je sais que je les ai déjà vus, mais je sais même pas ce qu'ils font. Ouais, les enfants. Ok, on est secteur 19 nous. Ouais, on est secteur 19, ouais. Merci. Bon, vous êtes 18 à Dame 15, on est à 800 mètres du dernier cambriolage en cours. X137, on est à 600 mètres. Ah ouais. Ils étaient chauds. Yo Pastaga, ça va gros? Les Marie Sanchez. Hein. Je rappelle du coup, c'est dernier 35, il y a des shotfire ennemis. Sierra 390, je vais me déporter sur zone. 378 actuellement Mission Row, vous voulez qu'on se déploie? Oui, c'est pas pris gauche, non? Pour retourner. Ah bah non, c'est bon, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Non, c'est pour retourner sur, sur le PC. C'est ça. Sur le PC. Sur, si on tournait à gauche, on retournait directement sur LS par. Non, comment ça s'appelle de merde, j'ai plus le nom. Eh ben, on est parti. On dort. Négatif du King 137 suite au dernier 10-37, on part en 10-56 d'un voleur vert.
Un voleur vert. C'est Marseille. Incroyable. Après, s'il veut changer que je conduise, c'est avec plaisir. Parce que pour le coup. Et on en parle de ses frontières, ça tue. Le mec, il arrive à fond. Il veut passer outre que le chemin. Il veut passer par la colline. Il se mange le grillage, gros. J'y pense. C'est qui votre député attitré? Costa. Ah mais oui, putain, mais je vous l'ai déjà demandé, je le sais déjà. Ouais. Je me fatigue. Hein. Ça va gros, okay. Et toi? Tranquille? On apprend gros, on apprend. Tu préfères colle ou conduire? Bah conduire à 200% frère. Mais à 200% gros. Me dégoûte l'école. Ah ouais, l'école et compagnie, ça me saoule. Ça me saoule en vrai. C'est de devoir réfléchir et compagnie. Moi c'est boum, action. Va à droite, va à gauche, chope-le, fais si bim bam boum. Des deux côtés. De quoi? Il y en a d'autres sorties des commandes des TD. Je sais pas. Ok, bon. On va voir. Ça va, sinon la vie? Oh, ça va tranquillement. Ouais. Bah, pour l'instant, on a perdu faut que je fasse des formats, c'est tout. J'ai beaucoup de formats à faire encore. Ouais. Je sais plus, j'ai. Faut que je vois, j'ai pas encore tout. J'ai pas compté tout le monde, mais je crois que j'en ai plus de 10. Enfin, j'ai plus de 10 personnes à former. Elle est passée sur le côté, gros, pourquoi? Sur le côté, gros. Tu sais, c'est les casquettes, c'est comme les habits, gros. De temps en temps, tu as envie d'émettre, de temps en temps, non. Voilà. Mais là, je me tâte, là. Je dois en commander peut-être 50 avec TLG, là, ce que j'ai mis sur le Discord. Bon, 500 balles, donc à peu près. Donc, je vais voir un peu. Je vais voir. Un petit sondage, ceux qui sont chauds et tout, pour en commander ou quoi. Si c'est pour faire plaisir, ça va. Si c'est pour me les carrer au cul, tu vois ce que je veux dire? Il va fort lui. Après, à défaut de casquette, gros. À défaut de casquette, gros, j'ai toujours mon chapeau. Ok. Où est-ce qu'on peut aller encore? Le plus beau, ah, c'est ça. J'ai deux idées encore. Ouais. Mais après ces deux idées, ouais. Deux. Après je crois que je serai à court d'idées. Ok, mais après, si vous voulez vous reposer un peu, vous me semblez pas fatigué à la voile, hein. Y'a pas de soucis, je prends la voile, hein. Ouais, je check et après, si tu veux. Y'a pas de soucis. Tu préfères conduire, César? Bah, sincèrement, ça dépend les choses et tout, mais c'est agréable, ouais, de. Ah bah c'est agréable. Le Buffalo, elle est agréable. Ma préférée reste la Stanier quand même. Hein. Ah ouais? À 200%. Je la trouve. Moi je la trouve classe, mais tellement classe. Ouais, lourde un peu. Chérie, fais-moi peur. Ça me fait penser un peu à ces années-là. Ah oui, d'accord, ok. Après, il reste plein d'endroits, il reste pas les taux, il reste ici, il reste là. Putain, par contre, si t'es dans le sale, gros, tu dois serrer les fesses, hein, frère. Parce que franchement. Ok. Franchement, gros, les patrouilles qu'il y a, etc., c'est énorme, gros. Ok, d'accord. Ça me fait peur. On va quand même vérifier là-bas, ok. Au fond, il y a déjà eu des prises d'otages. Yo, Hydrak, ça va, poulet? Heureux.
Attention qu'on se fasse pas prendre en otage nous. Ah ouais. Parce qu'on est quand même dans un coin bien reclus là. Là c'est Tandax là quand même. Là on se fait choper, on est dans la merde là. Clairement. Mais là tout est check et on va pas se faire choper tout simplement. Ok. Un coin bien sinueux, ouais. Ah. De quoi? Ah bah ils viennent de se faire, faire les pneus. Okay. Un peu chiant. Putain le phare comme c'est beau la nuit, comme il est clair et tout, c'est magnifique. Capté, merci. Normalement ça devrait aller. Je me suis jamais fait prendre en otage. Ah jamais dire jamais. Jamais dire jamais. Fievel et le nouveau monde. Dame 08 actuellement, pour la dame sur son faire les pneus actuellement, on a un véhicule gris type Berlin, est-ce que vous me certifiez qu'ils ont les vitres en terre? Ok. Ici c'est good aussi. Information à l'UGP 56. Occupation X, on a une vue. On a un véhicule qui va nous bloquer, on aurait potentiellement besoin de backup. Pour le moment, stand by. Les calls sont sur LS actuellement, donc c'est pour ça qu'on n'en prend pas compte. Bah ouais. C'est capté de Klingtier, on fera le check. LS, donc c'est le sud, Los Santos. Ah oui, là-bas, ma deuxième idée. Ah ouais, non mais en fait ça fait 3, je sais plus compter. Vous êtes perdu, je sais pas frère, moi tu sais là, quand je conduis pas gros. Agent, bien sûr. Je sais pas ce qu'il veut faire. On suit gros, hein. Je suis pas conducteur là. Et quand ça sera con... Oh, bon. Adam 05, ok. 19 sur le ok. Du coup, idée suivante. Joli convoi. Ouais. Tu vois où le vent te mène. C'est ça, gros. T'es là, hébo. Ben voilà, hein. Ok, bah parfait. Après je sais pas si derrière c'est pas une propriété privée, donc c'est pas pour ça que je passe pas le pont. Se faire emporter par la Mistral, c'est clair quoi. On remarque si c'est pas tout à fait... si c'est pas tout à fait légal on va dire. Ok. Pas de remarque. Oh, au niveau patrouille là c'est... Y'a pas besoin d'aller à 2 mètres pour le voir. Ouais. Possible d'avoir des 10-35 s'il vous plaît, la dame qui s'est fait bloquer. Nord Park actuellement, on est sur un 56 en foot beach, je vous ai mettre un 10-35 qui va se récupérer par le véhicule. De Marie 43, on va converger vers votre position. Oh Pierre, vas-y, je vais te laisser conduire. Ah, je croyais qu'on m'avait oublié. Allez. Non, quand même. Plaque. Juste, on va aller à la Syrie et on va voir. Ça, on se fait pas les tours, non? On fait Syrie, on remonte sur Paléto. Alors, vous voulez prendre par où? Par la Grit Ocean Highway? Non. Après la Syrie, oui. On a un dernier 10-35 de plusieurs individus à terre et plusieurs individus qui leur tournent autour. On n'est pas très loin, hein. Non, ok. C'est quel secteur? C'est chez nous, tu peux y aller. Vous pouvez mettre le point? Ok, merci. Merci à vous, dame 15, on se rend aussi. Jusqu'à ce qu'il faut aussi d'avoir un site-rep si vous faites quelqu'un sur place, merci. Et je sais pas si c'est pas ce qu'on a croisé tout à l'heure. Hein. Attends, c'est... Je sais pas si c'est... c'était le 10-35 ou c'est le 911?
Je sais pas. Oh, pire, moi, là j'ai mis le 911. Ok, ok. Attends, gros, je vais te lire. Je suis pas. Tourne à gauche. Ah, quoi ah je. Ouais, mais. Ouais. Suis pas, tourne à gauche. Suis pas pour moi la moto et tourne à gauche. Non, mais c'était pour. Suis pas. Pas grave, continue. Parce que tu vas passer dans les chemins de terre, c'est pour ça. Ok, ok. Mais sinon, en fait, si tu tournes à gauche, tu passes directement par la freeway. C'était plus simple. Ok, ok. Ouais, de Adam 15, on a 5 individus à terre, on a plusieurs véhicules sur les alentours. 18, blessure par balle, il y a des impacts de balles sur les véhicules. Sierra 390, je me déporte sur zone. Faites un affirmatif. Mario 33. Hey. De Adam 399, on a croisé un convoi de 4 Excusez-moi. Voitures. Qui sont similaires aux véhicules qui sont actuellement... trois hommes masqués, hein. Trois hommes masqués, ouais, ils restent à côté de la voiture. Il faudrait peut-être les signaler là, non? Bombarde sur l'appel. On est juste à côté, hein. C'est ça qui est... Edouard 354, ouais, c'est... je veux deux unités côté Dino Rose, s'il vous plaît, pour bloquer ouais, la circulation. Bien ici. Ouais, mais il faut leur indiquer. Ouais. Hein. Faut leur dire. Messieurs. Ça sert à rien de prendre les plaques, les gars. Messieurs. Messieurs, Sierra qui arrive, elle va le faire. Messieurs, écoutez-moi. Juste là-bas, trois individus masqués, habillés avec des hauts de survêtement qui nous ont percuté très légèrement, mais ils sont arrêtés à côté de la voiture cassée. Voilà. Ah, c'est bon ? Ok, ok. Putain, bah alors lui, mais. Ah, il me tue. Ah. Il me tue. Bon, on peut laisser comme ça, ça peut passer. Ok, ok. Ouais, le véhicule est pas fermé. T'as des binômes un peu à l'SPJ sur des collègues avec qui t'affectionnes jouer? Ben non, gros, non. Non, non. Ça va, mon Bruno? Tranquille, mon poulet? Non, non, j'ai pas, gros. T'as pas vu les véhicules de Marie 41 sur le dernier du 59 par kilomètre? Bernard, tu vois quelque chose? En fait, j'ai l'envie vraiment de tourner et de prendre les choses moi-même aussi parce que tu vois, je vois des choses là, c'est. C'est ça. Je sais pas si ça viendra avec le temps. Ouais! Ça va, Gégé? Tranquille, hold up, ça va? Hold up! T'es pas fait? Ok. Ok, les EMS sont en route. Putain, les véhicules sont risqués de chier. Eux, qu'est-ce qu'ils se font cartonner, eux? Tous les jours, je les ramasse. Tu vas aller checker mine ou pas? Ouais, ouais. Attends. Prends-le moi dessus. Place occupée trois fois avec des mecs masqués par là-bas. Ouais, en fait, on a été voir parce qu'il y avait un exemplaire et une jackal qui étaient ouais, en stand-by là-bas. C'était et ça. En fait, quand on s'est approché, plaques, ils partaient. Non, non, on n'a pas pu prendre les plaques. Monsieur, stay with me, restez avec moi, ok? Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main, put your hand. Et je vais aller gentiment dire à qui de droit. Monsieur, si vous m'entendez, je vais regarder juste où ils sont affectés là. Oh putain. Ça monte pas, attends. Ouais. Attention. Regarde un peu l'équipe qu'il y a. Regarde l'équipe qui arrive sur toi là. Ouais. Tiens pour moi. Ah. Pas trop que ça. Trop fort. Non, c'est bon pour le reste. Tenora 3 venant, on est en code 5 sur la casse. Merci d'éviter la zone. Ouais, je vais la. Dame 01 98. Stylé, ouais. Ok, ça roule. Il va falloir qu'on se mette en stand-by là. Eh monsieur, est-ce que vous m'entendez? Monsieur, il est pas bien. Tu peux quelqu'un ici? Ok, y'en a en dessous du pont, Lista. Sur l'autoroute ou... Comment ça? Non. Je tourne un peu à Johnson. Moi, mon binôme, il est parti comme hier en fait. Là, tu sais pas quoi faire, où aller. Je sais pas. C'est un peu. Ouais. Ouais, justement, vous pouvez faire demi-tour du coup, passer par Sandy Shore ou par les chemins de terre qui sont de ce côté là-bas.
Non, sauf indiscrétion, il s'est passé quoi ici? Sauf indiscrétion. Pour rien de spécial, vous inquiétez. Pas de problème. À la prochaine, monsieur l'agent. Au revoir. Comme il va, Pastaguito? Il voulait juste passer. Il passe ta gare. Qui revient des affaires. Ça va, gros? Non, ça va. Après, il m'a demandé il s'est passé quoi ici, sans avoir d'indiscrétion. Eh ben, Eric! Eh ben! T'en rigoles, t'as des problèmes, frère, toi! Il veut aller à Paléto, mais il est quand même parti route 68, quoi, le garçon. Il veut aller à Paléto? Ouais, il a dit oui, je veux aller à Paléto. Ouais. Parce qu'il voulait prendre la bretelle. Il m'a demandé, ouais, je peux prendre la bretelle à contre-sens. Je lui ai dit non. Aspect. Bonsoir. Dites-moi, est-ce que vous avez besoin encore de notre aide? Vous voulez qu'on reste avec vous pour vous aider? Non, non, franchement, c'est. C'est comme vous voulez, dites-nous, sinon on reste. Hein. On arrivait les premiers, donc c'est comme vous voulez. Je sais pas, c'est qui voyait directement avec la personne qui gère l'OP, hein. Ça va être plus simple. Ça marche, merci à vous, messieurs. Je sais pas du tout qui c'est par contre. Ça marche, merci à vous. Pas de problème. Convoi de plusieurs véhicules sur la 68, direction nord. Couleur bleu foncé. Direction nord ? Voilà, quoi ? Hein ? 68. Chose de particulier, des Kevlar. Y'a pas de nord, y'a pas de sud sur la route 68, déjà c'est compliqué. Alors, dans ce cas, inutile de signaler des convois du coup. Copy. Ouais, je vois personne. Putain, ils ont bien morflé quand même, les mecs. Ils se sont fait défoncer, frère. Hein. Vous nous recevez, monsieur ? Ah, c'est type de voiture exemplaire du coup. Eux c'est les mecs qui habitent je crois au camp des Tounus si j'ai pas de conneries. Noir, cette fois-ci les individus sont tous cagoulés à l'intérieur hein, et un convoi d'environ 6 véhicules sur la freeway nord. Jusqu'à de dispatch SSD du coup, essayez de garder ces véhicules en visuel s'il vous plaît et opérer une demande de 10-35 afin de pouvoir opérer des 10-38 en sécurité. Merci. On part en 10-56 d'une Jester noire mat vite teintée. Je comprends pas que nous à chaque fois là je sais pas si j'ai pas de chat ou si ils sont pas réactifs tu vois des fois on se retrouve en fait sur des trucs où tu bouges pas alors que tout le monde bouge fait des trucs etc et toi tu bouges pas j'ai ça me rend fou frère. On prend le dernier 10-59 sur la Porta Freeway. Les deux, ils étaient masqués dans le follow, les gars. Je suis pas sûr que ça peut tous masquer, ouais. Ouais. Mais pour sûr, là, les trois mecs là qui nous ont touchés là-bas, là, juste au coin, là. Mmh. Au niveau de la casse, pour sûr, ils avaient à voir avec, hein, parce qu'ils sont allés checker leur voiture, l'autre, la deuxième voiture. Ok. Moto qui ralentit. Ça recheck, hein. De 378, du coup, sur le direction Paléto. Il y a nos collègues qui sont en dessous. Paléto, pardon. On a un convoi de 6 véhicules noirs, Primo, Buffalo, Cavalcade, individus tous masqués à l'intérieur. Il continue direction Utah. Lui va se faire soulever, regarde. T'as vu le flic qui a suivi là-bas? La moto là. Il suit le convoi. Regarde. Regarde bien. Cavalcade, Caracara qui prend en contre-sens. Putain, oui. Caracara à contre-sens, tout bien, faites gaffe. Hein et qui mais il est complètement con lui. La moto qui repasse au-dessus. Oh la moto là. Il y a une Sanchez de la direction sud là qui fait n'importe quoi sur l'autoroute, les gars. Tape, c'est des meilleurs demi-tours. Ouais, je vois ça. Ouais, là-bas, ouais, au bout. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils se suivent, hein? Jones. Va se faire taper, finito la voiture de flic, c'est ça, gros. Il y en a qui font nimp autour. Attends, ça arrive. Ça arrive. Ça descend de la colline. 33, 3 véhicules arrivent sur notre position au niveau de route 68. Un Caracara, une moto et une Buffalo vert. Ouais, Sentine, c'est toi derrière. 390, les médecins viennent de recevoir un coup de fil apparemment. Attends, c'est quoi le sémire qui arrive pas loin de la première fusillade. Il y a encore des tirs.
Ça... Là-bas, là on va peut-être recevoir un appel. Voiture verte. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de nous encercler, frère. Dis, s'il vous plaît, j'ai rien. On est en train de faire encercler là, non? Tout à l'heure, il y a deux fusillades qui ont eu lieu et il n'y a pas eu de réaction. Oui, notamment ce qui se passe aussi sur le convoi de véhicules, s'il vous plaît, qui a été vu masqué. Merci. On bouge? Okay. On va se déplacer un peu, on va aller plutôt au niveau des caravanes. Comment ça aller vers les caravanes là? C'est moi violette qui roule sur les rails là. À côté de la. Premier coma, tu codes toi alors? Tu n'as pas confiance à moi, gros, avec la tête que j'ai mis déjà, gros. De toute façon, là, il n'y a pas trop de. Il y a déjà assez d'unités, je pense. T'as oublié, papa, ce qu'il a mis quand il était à l'arrière de la voiture, gros. Voilà, mes respects. Hold up. T'as oublié, toi, hein. Le convoi de véhicule de l'air est sur la position du barrage. Moi, non, ici, c'est pas ici. Y'a où? Juste là à droite. Y'a où des caravanes encore? Sur BC. Ici, y'en a un paquet, ça dépend après où il faut aller, ça dépend où elle a dit. Sur BC. Si les véhicules violés sont coupables. Non, mais c'est une blague, l'indication c'est des caravanes sur BC. Y'en a de partout. Ça va être compliqué. Hein. Adam? Adam 54, des individus masqués noirs sont en train de braquer actuellement des individus en vert. Je vous fais un 10-35. Putain, je vous l'ai dit. C'est en train de se braquer. Là. Je vise quel grade, j'en sais rien, je me laisse porter, gros. Je me laisse porter, mais. Je me languis déjà d'être des petits 1 parce que. Pff, je pense que ça m'a saoulé, frère, des fois d'être à côté là. De pas prendre d'initiative, etc. Gros, moi je serais déjà parti sur des trucs et compagnie. 54, contactez le dispatch, s'il vous plaît. On s'annonce, on dit quelque chose? Vas-y, t'inquiète. Ok. Pour le moment. Braque. Ah oui, putain, ici. C'est pas de chez SSD surtout, je demanderai A323 de s'y rendre, ainsi qu'à A315. 78 est déjà sur place. Ouais, bon. Messieurs, circulez, messieurs. A323 sur place. Messieurs, circulez. Ouais, tu vois, le. Écoutez-moi, vous avez 3. 345, reprenez la supervision, s'il vous plaît. Et dis quoi, vous avez 3 quoi? Commanda, exactement. 3, 4, 5, 6 véhicules sur zone, dont un speedo. 17K54, la primo noire avec la personne kidnappée potentiellement. Ça sert à rien de. Pour le moment, ça va être compliqué, on est trop peu. Hein. Ok, messieurs, on a quoi à reprocher s'il vous plaît aux individus qui sont. Un kidnapping. À droite, là, kidnapping et braquage. Ok, on n'est pas assez d'unités pour y aller malheureusement. Une fois que tu monteras. Ah oui. On va attendre les renforts, on a besoin de 2 unités supplémentaires. Si besoin d'un négociateur pour le kidnapping, je suis disponible. Ouais, c'est capté, messieurs, on suit les véhicules et on se prépare à procéder à 10-38. On se répartira si jamais ils refusent d'obtempérer. Primo à droite encore. Ouais. Ok, il y avait une Sanchez encore derrière nous à droite. Non, c'était. Non, je crois pas que c'est la nôtre. Il se passe toi. La chasse des primo noirs et. Fais un rideau et tout. Tu restes en rideau. De 10 à toutes les unités derrière le convoi là. Mettez votre GPB, ils sont tous armés en face. T'as moyen de le mettre toi? Ouais. Pas ralentir, on y va, on procède au contrôle. Voilà, let's go. Je laisse le plus haut gradé sur zone. Ça va, je prends la supervision. Attention. 10-35, s'il vous plaît. Les milieux. Pour la poursuite. Pour les unités qui sont au niveau de Paléto, vous avez 2 à 3 véhicules qui ont pris les avant pour prendre la fuite si vous pouvez les intercepter. Putain, c'est un contre-sens, c'est incroyable. Et l'autre il est parti à Hanini, tranquille. On va pas pouvoir les arrêter comme ça. Hein. Non, mais ils vont nous shooter. Hein. Oui. Le caractère rappelle les unités. Allez, on est chaud. Mettez-vous pas solo pour rien. Juste rappel pour les unités qui sont sur les lieux là, c'est un individu kidnappé habillé en vert dans une primo noire. Ça va se passer juste après le pont. Ils ont de l'espace. Attention, ils ont de l'espace, hein. Je pense que ça peut se passer juste après le pont. Pour l'instant, comme ils ont un otage, essayez pas de bloquer ou quoi que ce soit pour l'instant. Hein. Là, c'est chaud.
votre aide sur la poursuite au niveau du convoi, messieurs. Le phosphore. Capté. Ouais. Où est le dé? Putain, mais... Adam 399, 1050 avec un individu en Sanchez sur la prise d'otage. On va essayer de voir. Capté, je vous laisserai faire à 1052 s'il y a besoin. Un moindre véhicule qui commence à vous tourner autour, vous appelez du renfort, d'accord, vous restez pas en danger. Copie, j'envoie un 1035 au cas où pour l'audition. C'est chaud là. De 345, du coup, je vous laisse faire des sites réguliers de votre position pour les unités qui poursuivent encore le combat. Non, sur Paléto, 33, direction. Sur Paléto. Direction sud. Capté. On va potentiellement redescendre sur la GOH. Le dispatch est saisi, est-ce qu'on aurait une unité s'il vous plaît qui peut se déporter à hauteur de station service GOH? Faut qu'il s'approche. Qu'un introduit, on va s'y rendre. Un des véhicules. Putain, normal, j'arrive pas à prendre de photos, gros. Madame Sanchez, on aura besoin d'un bike sur la poursuite de la chèvre occupée trois fois à présent. Elle est occupée une fois, c'est pas celle-là. Il est pas là-dedans. Adam 63, on est juste derrière vous, Adam 76. On s'y trait pour la course poursuite. On a déjà un cavalcade ainsi qu'une primo qui ont fait demi-tour. L'individu en vert n'était pas dedans. À l'heure actuelle, il y a encore 4 véhicules qu'on poursuit. On est sur la GOH. Ouais, okay. On passe devant la CID. Un véhicule qui a tourné dans le chemin, l'offre dont la prend, continue tout droit. Affi de Adam 15, on a pris la primo. Est-ce qu'ils ont quelque chose à se reprocher? Il est devant, je crois. La fille est potentiellement armée, donc restez prudent et gardez votre poursuite. C'est capté. Armée et kidnapping. Affirmatif. Armée et kidnapping, et là on a l'individu devant nous là actuellement. Je vais mettre la plaque de la primo où il y a l'individu. Vas-y. Capté, confirmé que vous avez bien récupéré l'otage. Toujours la poursuite. Vas-y, c'est chaud. Moi j'ai une plaque, déjà. Adam 54, vous lâchez pas la primo avec l'otage à l'intérieur, dans tous les cas. Bien pris. C'est notre unique priorité la primo avec la prise d'otage. Elle est juste devant nous, je crois que c'est celle-là. De A315, la primo se détache du convoi, on la prend en chasse. Je vais rester sur restez à deux unités, faites attention, il y a une moto également qui vous suit maintenant. On va venir la prendre, Maria Offroad, faites-nous une 35 régulés s'il vous plaît. On 10-35 pour la Sanchez. On va sous le pont du Fort Sankudo, en dessous. Ils ont été rejoints par 3 voitures, hein. 70, ouais. Est-ce possible d'avoir une unité en backup sur ce 10-35? On a un individu. On a ce signal. On est en train de lui porter assistance. Il y a une autre qui vient d'arriver sur zone et elle ne répond pas. On a ce signal? Vas-y, signal. On fait 375, du coup, on est toujours à la poursuite d'une primo noire occupée 2 à 3 fois. On est au niveau de Stab City. 4-3-13 pour la Marie, faites des 10-35 s'il vous plaît. Là non, ils se sont déportés sur la droite, ça sert plus à rien, non? Ouais, non, trop tard. Ouais, bah pas trop tard, au contraire, on a bien fait parce qu'ils avaient rien à voir. On est suivi. Potentiellement ressortir sur le pont. Non, non, c'est les collègues. C'est sûr? C'est Marshall. Ah d'accord, ok. C'est les sirènes. Si les unités peuvent anticiper. Affine, Mario Fro 313, on est sur zone, on va les attendre. C'est à rapprocher, chope là. Pour le véhicule, encore en poursuite sur les deux véhicules qui restent du convoi, déportez-vous sur le pont également. De 2 à 3-15, on a fait un 10-50 avec la moto qui nous suivait. Enfin, qui était devant. Putain. Adam 54, on est maintenant tout seul derrière la. Ouais, elle est pas sur ce point-là, on est d'accord. De quoi c'est bien ce point-là. En backup. Capture une unité qui s'y rend, s'il vous plaît. Oh ouais. 375, on a lâché notre. Ouais. Faites un V. Un V. On va voir si vous pouvez faire des 10-35 réguliers. On descend? Descendez pas, descendez. Confirme la direction. Ok. Non. Ils arrivent. Allez-y, faites le call comme quoi le pont en bois est bloqué. 33, le call en bois. Le pont en bois est complètement bloqué actuellement. C'est capté, on arrive droit dessus. Au niveau de la sortie. On bloque. Ok. Ok, bloqué à l'arrière, empêchez-les de sortir. Intervenez, messieurs, intervenez, allez les appuyer, vite.
lève les mains, je lève les mains, je lève les mains. Mmh. Ok, agent pris en otage sur ce 10-35. Reculez. Ouais, ils ont, en plus ils ont volé son véhicule, du coup on a une Torrent LSPD volée, une Primo. Attends. Qui vont potentiellement repartir ouest du pont en bois. 33, et se place au niveau de des marées, par la GOH. Vite. C'est confirmé, ils reprennent direction. Prenez. Okay, ils ont pris nord depuis pont en bois sur ce 10-30. On va être dessus, on peut bloquer si vous souhaitez au niveau du pont de Stop City. Afi, allez-y. C'était bien. Vas-y, monte. Donc du coup, on a qu'un seul véhicule qui est parti visiblement. La Torrent n'a pas été volée, confirmez-moi. Dis-moi où. C'était à droite. 2390, c'est confirmé, l'otage a été relâché, je vais essayer de le retrouver. Allez, bloquez-le. Dirige-moi, s'il te plaît. Vas-y. À fond, hein. Vas-y. Bon bah non, t'inquiète. Je m'inquiète pas. Direction école de pilotage sur ce 10-35. 17K54 pour vous confirmer, ils sont 4 dans la primo, dont 1 pris en otage. Captez le contender dès que vous pouvez, vous nous dépassez. On se met en sécurité avec les marées. On attend que le chemin soit plus large. Droite, je pense. 2,92. Ouais, le contender il est large. Hein. De KN38, on est derrière eux, assez loin. Capté, c'est bon, on aura suffisamment de collègues. Par contre, s'il y a un collègue qui peut anticiper au niveau de Grabseed, on est en train de prendre le chemin à ce niveau-là. Votre droite, serrez votre droite, les maris. Faudrait qu'on double la Sierra et le K9. Tu me dis continue, t'inquiète. Mm-hmm. Mais faudra qu'on double la Sierra qui est la banane en gros devant et la K9. On va ressortir à ce niveau-là. Passe magasin de masse. Oui, Sanford. Vous avez encore un plan d'RC si vous pouvez. Afi. On arrive de l'autre côté, négatif, on a plus de RC. On est Code Santrada. Actuellement, non. Ça va pas porter un bras. Ok. Actuellement sur ce 10-35. Non, je pense pas, il n'y a pas assez de personnes que je dois former ça. En vrai, je pense que je fais la format demain, je l'annonce dans la journée. Ok, bon, au pire, je t'en ferai une, t'inquiète. De rien. Mais ils ont tracé, on est trop lent, frère. La Torrent LSPD, c'est la dernière fois que vous me collez comme ça et que vous manquez de me percuter. Passe à gauche. Ok, pas grave. Ah, mais là. T'inquiète. Pour le coup, la Torrent, on va reprendre. J'ai l'habitude de prendre tous les raccourcis, c'est pour ça. Non mais là c'est dans la vitesse c'est même pas raccourci, de l'autre côté je suis d'accord avec toi. Mais de ce côté là non. Ah ça passe, t'inquiète. Non. On sait où ils sont ou pas? Sur Grab City qu'on puisse anticiper s'il vous plaît, 3-18. De Grab City, excusez-moi. J'ai pas les infos là. Le véhicule est actuellement en direction Sandy, je suis en... Putain Sandy, on va pas pouvoir anticiper correctement. Faut vraiment qu'on arrive à les doubler ceux qui sont devant. On a le véhicule le plus puissant en fait, hein, si tu veux. Ouais, je veux bien, mais si je fais ça, je vais... J'ai pris mon noir occupé trop fort. Pour à droite. De Mario Fraud pour les contenders et la Torrent TeleSpeed sur la poursuite. Qu'est-ce que tu fais? Je me dis prends à droite. Je sais pas, non, j'ai pas compris non plus. D'accord. Ah non, c'est sur le coup j'ai dit merde, j'ai pas compris le message là. On repart direction Stop City avec la primo à l'heure actuelle. Ah non, y avait rien pourtant. C'est pas grave, Pastaga, c'est pas grave, gros, c'est pas grave, frérot. Donc là je prends où là? Tout droit toujours? Tout droit. C'est pas grave, frérot. Tu réactualises et c'est tout. Ok. T'inquiète même pas, mon gros. Continuez l'école qu'on puisse anticiper intelligemment, s'il vous plaît. Ouais, là, l'école, c'est compliqué. Hein. Allez, messieurs, on attend des calls, on veut savoir où vous allez. Capté, on est actuellement sur la route 168, on se dirige vers la Fuente Blanca. Putain, c'est. Hein, c'est le côté de la Fuente Blanca. On est sur la Signora route, direction Fuente Blanca.
Ah putain, ouais. Bah ça, on y arrive, on y arrive, on y arrive là. Ouais, on y arrive, on y arrive. On est juste, on est derrière, on est pas. Pas en anticipation, c'est chiant. Je reste bien derrière lui, hein, on est d'accord. Non, non, essaye de passer devant. On a plus d'essence, on a plus d'essence, hein. Ah, vraiment? On est à combien de litres? J'en sais rien là comme ça, mais je peux pas te regarder, mais on est, je vois la jauge, on est bas. Vraiment en bas? Non, je vais dire un cinquième. Ok, ça doit devoir le faire. Ok. Parti. Donc lui, je le double pas, on est d'accord, hein? Si, si, faudrait que tu le doubles. On a désormais dépassé la Fuenteblanca, on va direction plein sud sur Elgin Avenue. Faut que t'arrives à doubler le plus. On va descendre devant le garage mécano. 67 données des. Prends plus à gauche quand tu doubles, t'inquiète. Il a déporté à droite, c'était good, non? Ouais, mais c'est... en fait. Bah, à monter, sincèrement, j'ai pas prendre le risque de prendre quelqu'un de face, quoi. Oui, mais en fait, c'est vu que t'avais de la marge, tu voyais ce qu'il y avait devant, c'est pour ça. De la dame 92, on va continuer à essayer d'anticiper pour les ralentir. À gauche. Mirror Park à gauche. Ah, j'aurais pas dit à gauche, j'aurais dû passer tout droit, mais t'inquiète, c'est pas grave. Ouais. Non, en fait, il faut qu'on anticipe au niveau des ponts et tout. Hein. Partout, il peut se faire allumer. On reprend ouest direction la Mesa. On est dans le quartier. La Mesa, putain. Ok. On va passer devant Underbridge. Indique-moi, hein, moi, pour le coup, là, je bombarde, mais je sais pas où je vais. Hein. Devant Underbridge, direction War Dogs. Ok. Ils sont là. Il a tout droit. Continue par là. Vas-y, je t'ai mis un point. Tu m'as mis un point. Ouais. Putain, ça l'a posé quoi. Pas grave, t'inquiète. Là, tu prends la prochaine à gauche. Ouais, c'est pour ça. Capté, on a les tireurs sur ce 10-35, messieurs, 4 véhicules. On va avoir besoin de renfort. Faites un 10-35, on arrive. Ok, on va. Direction nord là. Ok, ça c'est pour les tireurs, mais la prise d'otage aussi. Hein. Ouais. Véhicule et une moto. Madame 378, on se rendait sur un 1040. Alors un affirmatif, on va avoir besoin de beaucoup de renforts sur ce 1035. Voilà. Correction pour A378, s'il vous plaît, il y a un 911 qui a été émis. D'un braquage de personnel sur place. De A315, s'il vous plaît, sol prioritaire, on a récupéré la primo, occupée 3 fois du coup, sur ce 1035, au niveau de l'hôpital. Au flot de 375, on l'a dit. Les motos, elles me ralentissent trop. De L-Ray, on est tout seul sur poursuite. On passe devant le unicorn. Ok, vas-y, continue. Non, non, ils sont remontés. Mais vas-y, tu veux tourner à droite. Après, prochaine à droite. Non, continue. La droite. Il va passer à l'est de la matricule. Je vous appelle TPH. Hop. C'est A315. Captain. De 92, pour la dame qui poursuivait les véhicules qu'on tirait sur les collègues, pouvez me donner votre matricule, s'il vous plaît? Perdu les individus, c'est un 10-50. Droite. C'est bien pris. De 313 à 315, continuez quand même beaucoup, on en a besoin pour anticiper, merci. C'est quoi là? Perte des individus sur CRD 1035, direction sud. Putain. Continue, continue. Le 3-10 de Patrocan, continuez vos calls sur PH. Ça secoue. On m'avait dit qu'on appelait TPH, du coup il continue sur Del Perro Freeway, direction ouest. On est mort? Comment ça? Non, mais je continue ou pas? Le véhicule, ça va, il tient le coup. Toi, ça va? Ça va, ça va. La primo noire qui avait l'otage dans l'autre sens. Ouais. Essayez d'avoir la plaque. On a déjà la plaque dans Photopost, c'est comme ça qu'on la retrouve. Après, à un moment donné, si je me mets au milieu, enfin au milieu, dans le truc, et d'un coup il s'est décalé, si tu vois ce que je veux dire. En fait, t'es arrivé un peu trop tard. C'est le but. Mais c'est pas. T'inquiète, c'est good. Ouais, c'est le but. S'insère sur la grille de CN Highway, négatif. On prend pour le coup, gros. Faut juste que tu prennes bien le temps de. Merci, mon Pastaga. Ouais, bien sûr, bien sûr.
Mais le problème, c'est que en fait, j'ai pas vu la même chose. Ça fait tatac d'un coup. À côté du cimetière. Ok. Actuellement en direction est. On va passer devant la maison du gouvernement. Devant le golf aussi. Ok, il a dû continuer le tour. L'individu passe au nord du golf. Monsieur. Je prends le mec de droite. Toujours direction est. La sortie le gun direct. L'individu repart au niveau du sud. On se dirige vers le dernier. Lâche, Stanier, prenez. Ouais. On va passer devant le Darnel, on passe devant le Darnel, toujours direction sud, belle anticipation. Il prend direction est, on va passer devant le Dragon Motors. Négatif, il reprend direction nord. Le 25 pour la poursuite, la déco là, est-ce que vous avez besoin d'une unité en renfort? Négatif pas pour le moment. Bien pris. Où il est parti frère? Voulez-vous que je continue mes calls? Oui. Ça, anticipation. 10-4, toujours direction ouest du coup. On bouge pas monsieur, putain. Alors vite on va appeler les docks. Ouest du golf. Vous allez bien monsieur? Entendez monsieur? On est en partie en 10-56 d'une primo noire occupée 3 fois qui correspond au type de véhicule de la prise d'otage. Ok, 381, on a un individu à terre qui est tombé d'un toit maîtrisé sur course poursuite à pied. Direction nord, direction sur ce 10-35, pardon. On va appeler les médics. On va appeler les médecins, monsieur. Copy, il s'est arrêté, il repart en 10-56. Vous couvrez, j'appelle les docs. J'appelle. Ok. A315, l'individu prend direction est au niveau des villas sur ce 10-35. T'as été genre trop décisif, vraiment. Ben gros, la vérité, gros, là j'ai pris mes couilles à la main et je suis parti. Hein. L'unité qui peut se rendre directement à l'embranchement Galiléo. Là pour le coup, vraiment il fallait y aller, gros. C'est ça que j'aimerais faire, gros, mais le problème c'est que pour l'instant on dépend trop. Enfin, tu bootes. Pour la primo noire, on est actuellement sur ce 10-35. Ok, j'ai envoyé un message, c'est bon. Ok, il n'a pas encore été pris. Hein. Il répond pas au téléphone non plus. Ok, je couvre derrière. Hein. Toujours direction. Ouais, fais attention parce qu'il y avait une shafter noire qui était là. Ok. Et les deux autres à pied, ils ont été appréhendés ou pas encore? J'en ai aucune idée. Ok, donc on fait bien attention s'ils repiquent dessus. Yes. On va bientôt passer au-dessus. 3, occupé 3 fois. Ouais, il y avait lui et deux autres qui sont partis, ils étaient plus côte à côte les deux autres. Ils sont pas prêts gros. Non. Je dirige toujours direction est, on va passer en dessous des panneaux de Hollywood. Vanwood, pardon. 10-22 pour Bernard, 10-35. T'es là, 62. Ouais, faites attention à actuellement sur ce 10-35. Ok, il était armé, il était quoi, Beretta, Glock? Armé, ouais. Vas-y, je vais chercher la voiture, j'arrive. Vas-y, go. Ok. Dans la dispatch chez l'SPD, il y a un code 99 qui vient d'être émis par le sergent Nash. Pas d'information concernant sa dernière position. A 3-15. Putain, j'étais en train de le poursuivre sur le toit là, il est tombé, il a glissé. Hein. Ah, j'ai vu ça. Restez là, on arrive, on va essayer de choper l'autre. Ouais, ça marche. Non, on va chercher mon appartement. Il y a le contender qui tourne. Ok, tu sais ce qu'on va faire? Je vais me caler dans le coin, moi. Je vais me caler là-bas, ok? Vas-y, ça marche. L'individu prend direction Casino, Mirror Park. Il dirige toujours vers l'est sur ce 10-35. De 3 voies, on a également le panic button de 3.45 qui a été retenti. Le 3.45, c'est peut-être pour l'accident de 3.13.
L'individu reprend direction ouest, il va passer au sud, négatif. Carter. L'individu tourne dans Mirror ouais. Park. Ça marche, ça marche. S'il vous plaît, unité en code 5 au niveau des, de la freeway, des autoroutes notamment. De 315, on a une Buffalo noire qui s'est rajoutée à la poursuite, qui va essayer de nous bloquer. Permettre de check là. D'Adam 306, on est derrière vous. Belle, belle anticipation. Donc on se redirige vers l'ouest pour les unités qui essaient d'anticiper. Direction du poste de... Vu, Pastaga, pas de soucis. Vu. À la Buffalo qui est derrière 330, vous voyez. Pas de problème, moi. On va se charger la Buffalo. On se dirige au sud actuellement. On va passer vers Pillbox Hill. Négatif, l'individu reprend direction. Moto, ouest, moto, 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 motocross, motocross. Qui vient sur nous. Ouais, ouais, qui vient sur nous. Occupé deux fois. Ok. Il reprend direction est. Là, c'est chaud là. Je reprends la hauteur, je reprends la hauteur, je reprends la hauteur. Ouais, ouais, ça marche. On redirige dans le sud. Les unités en poursuite, prenez des photos s'il vous plaît. Et si possible, des plaques. Là, je vais demander. Casino, là, vous êtes en poursuite des individus qui. Au cas où, si tu peux m'annoncer après 3,80, je suis boot, ok? Ouais, ça marche, ouais, merci. Attention, attends, on va passer sous le pont, on a subi des shoot fire la dernière fois. Quatre, on va tracer. De 3,30 à la Buffalo Sheriff, si vous pouvez s'il vous plaît reprendre la poursuite avec 3,15, on se charge la poursuite avec la Buffalo Noire. C'est capté. Tango 302, on a des informations sur le code 99, la position. Négatif, aucune information, la position est inconnue. De A315, du coup, on va passer au nord de El Rancho. Il se dirige vers l'ouest sur ce 1035. Je suis pas la meilleure position hein. Pour moi. Je devrais monter sur le toit d'en face, mais on passe devant le El Rey Motors. On repasse devant le Unicorn. Il se dirige vers le nord, place des Cubes. Négatif, il prend direction ouest. Il passe au sud de l'armurerie. Redirige au sud. D'accord. Ok, on a un individu qui court, je sais pas si c'est un de chez nous. Individu qui court devant vous à droite. Là-bas là ? Non, 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 face à vous. C'était face à vous, là, là. Là et à droite, cheveux blancs. Nord. Prend direction est, place des Cubes. Se redirige vers le 3 de la Buffalo, elle est en train de continuer ruelle. D'ailleurs, je peux me faire back de ouf aussi. Je me colle ici. On est sur la freeway, si tu peux me faire back. Anticiper sur le parking rouge s'il vous plaît. On est direction place des Cubes. Il y a une unité qui peut se rendre sur le dernier neuf sens, c'est sûrement le sergent Nash. Tu roules. On y va. Sur votre 302, on prend le dernier appel 911. Capté, vous ferez cette rapide pour arriver sur place. Et de la place 54 également, on est à 1,5 km. De 3,15, on sort de la freeway. GPS m'a mis un truc bizarre, je peux voir. Oui, en deux lignes ? Oui. Ouais, et c'est quoi le code 99 de Nash ? Je suis séparé de lui, on a couru, j'ai interpellé une personne et de son côté, son code je le sais pas, j'allais l'appeler justement pour essayer de recoller parce que j'ai laissé le corps à terre. T'es pas avec lui là ? Non, 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 non. Il a émis un code 99 sur le MDT. Je sais mais j'ai un homme à terre qui une moto qui tourne avec deux mecs occupés dessus et un autre qui cavale autour de nous sur la zone. Putain. Ouais. Donc pour le coup, zéro info d'où il est. Hein. C'est quoi votre position ? Ma position, je suis en bas du quartier Marabunta au niveau des usines. Quartier Marin ? Ouais, okay. Au niveau des usines. Et on a un mec interpellé avec une unité, un Adam du LSPD, ok ? Ok, parfait. Nickel. J'ai un mec de SWAT année. Nickel, parfait, merci. Pfff, qu'est-ce qu'il me dit lui ? De 390, continuez les calls. On est deux véhicules, on va essayer de mettre en place un barrage. Je suis là. Tu me voyais pas ? On est actuellement direction est, on va passer au sud de l'Africa de Vinewood. Je vous écoute monsieur. Ok, il faut que je retrouve mon sergent maintenant, il a mis un 911 quelque part là, je sais pas où. Tu t'as pas ce TH ? Je vais l'appeler. Direction est, on se dirige vers la Mesa. Reste à côté, personne là.
Tiens, attends. Okay, je vais me caler l'appeler. Ok. Là, monsieur, ça va être super compliqué. Je vais essayer de vous envoyer une patrouille. Y'a un médecin du coup? Bah ouais, j'en ai eu un, il a dit qu'il très bref la situation et il y a une patrouille qui arrivera sur place. Parce que là, je vous cache pas que là, actuellement, ça, c'est vraiment le bordel. Faites attention au pont, les gens. Répond plus. Dis 3, s'il vous plaît, concernant le code 99. Dernière position connue est a priori à proximité du quartier Marat, au niveau sud. C'est une poursuite haute. T'es collègue, tu m'as fait peur, je te voyais plus. Non, non, j'étais en hauteur. Tu m'as fait peur, je t'appelais, je te cherchais. J'étais en dessous, je t'ai vu passer. Mais j'essaie de le check, je pense qu'ils l'ont, ils l'ont en otage. Je pense, hein, je dis pas de conneries, moi. Madame partenaire. Eh ben justement, c'est le sergent qui répond du 9-1-1 et qu'on retrouve pas. Moi, je vous ai check, je vous ai suivi pour appréhender celui-là, là. D'ailleurs, c'est Nash. Ouais, c'est Nash. Vous me checkez deux secondes, il faut que je pisse et je vais pisser dessus là. Ouais, vas-y. J'arrive. Il a fait un code 99. Mais par contre, le monsieur, il est. Oh, il est aux On passe devant le L-Rail Motor. Attends, j'arrive. Ah, il est là. Toujours direction. J'arrive. Il faut que je pisse de suite, j'arrive. Toujours direction Est, on va pas tarder. Négatif, il prend direction sud, on va passer devant la boucherie, sur ce 10-35. On est passé devant la boucherie. L'individu va rejoindre le pont rouge. Ah, on se fait mule. 35 messieurs sur ce 10-35 qui sont passés au niveau du pont rouge. 10-4, il faudrait s'il vous plaît une unité rapidement qui aille au niveau du T au port et de l'autre côté au niveau de Vespucci pour anticiper s'il vous plaît la. Ok, pour mon sergent là, je fais comment là? Je retourne, il faudrait m'accompagner, retourner à la bagnole, non? Ouais, mais on a un blessé, il a fait un 4-99 donc il est forcément en otage actuellement. Ouais, ouais, nous on va chercher avec les marées, on va essayer de le retrouver. Informe radio, quelqu'un informé ou pas radio? Oui, tout le monde est informé. Ok. Ce qu'on va faire, c'est avec la magie, on va essayer de le retrouver. Ouais. On va checker un peu partout. Essaye de check un container noir. Parce que nous, il y en a un, celui-là que mon collègue a poursuivi, il était armé. Du coup, le troisième, il est peut-être actuellement sur la freeway. Et bonsoir. On a le monsieur qui est tombé du toit tout en haut, là, du silo. Le véhicule. D'accord. Monsieur, vous m'entendez? Du coup, le dispatcher, attends. Là je dirais, bien plus, hein, 20-30 mètres là. Bah, regardez, c'est au-dessus du silo là-haut là. Ah, au-dessus du silo. Ouais, tout en haut là, tout en haut. Plus grand hauteur. Actuellement sur la Delpero Freeway, on se dirige vers l'ouest. De 32, il s'agit de deux primo noirs. Oui, 380, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, oui. Pour le coup, je me retrouve seul, j'ai des unités LSPD, etc. Là, moi j'ai appréhendé une personne. Appelez 378 s'il vous plaît. 3 combien? 378. Ok. Chérie, vous allez nous suivre jusqu'à l'hôpital en attendant. Après, on vous déposera Michel Roux. C'est parfait, c'est parfait. Ouais, vous inquiétez pas, je vous prends sur le bon. On parle de Michel. Du coup, allez, venez. Le dispatch va falloir vraiment se concentrer sur. Prenez votre véhicule, chérie. Prenez votre véhicule. Bah, je sais pas où il est. Il est où? Il est juste devant vous. C'est pas lui. Ah, c'est... ah oui, c'était celui-là. Putain, c'est celui de Nash, ouais. J'arrive. Je vais m'occuper de vous, je vais vous allonger, je vais vous bloquer les jambes pour éviter que ça, allez, ça bouge trop. Attends, ouais. C'est Nash qui était avec toi? Ouais, c'est Nash qui était avec moi, ouais. C'est Nash. Et on le retrouve plus là. Et je crois qu'il a poursuivi le troisième et je crois qu'il s'est fait prendre en otage. Ouais. Comme quoi, il a dit jamais je me suis fait prendre en otage. Parce que quand j'étais dans l'eau un moment, mais dans l'eau j'entendais mal, j'ai entendu un shot, genre, tu vois. Au-dessus de moi. Il avait le pare-balles. Encore? Ça veut dire que l'audio, non? Allez, on est prêt, monsieur. Je pars à Mission Row, Pierre. Messieurs, je pars à Mission Row, Pierre. Il prend direction Est. Ah, ça prend pas. Eh les gars, je pars à Mission Row, Pierre. C'est à côté. Allez-y. Ouais. Allez-y, faites attention. Hein. Ok. Vas-y, fonce. Toujours direction Est, messieurs. On reprend en direction Sud, on passe au Sud du concessionnaire. Au sud sur ce
10-35. L'individu reprend au nord. Capté. On passe à côté du coiffeur sur ce 10-35. On prend direction ouest, on passe devant la Flika. Au-dessus du Dragon Motors. Ok, capté, on est derrière. Toujours direction ouest. Merci de continuer à donner les directions pour qu'on puisse anticiper, d'accord ? Direction ouest sur ce 10-35. Ouais, capté. Il prend direction nord, à l'ouest du golfe. Je te l'ai. Palo devant nous, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lâcher la poursuite ? On s'est annoncé avant. 2390, je vais essayer d'anticiper sur les côtés. Direction ouest, toujours. Il m'a dit d'appeler qui ? 378 ? Il reprend direction sud. 378, c'est qui 378 ? Derrière vous pouvez arrêter, 390 qui va essayer d'anticiper. 10-4. Le véhicule fumant. Ok, capté. Putain, 378, je l'ai pas. 3 fois. Ok, capté. Ok, attends. Et... Ah, voilà. Ils m'ont mis en procédure alors que j'étais en inter, c'est ouf. Je vais mourir, gros. Pour la voiture, on remonte au niveau de Little Seoul. Négatif, on va partir Marina. Attends, je vais refermer sa bagnole. Niveau déchetterie, pour l'instant, direction déchetterie. Non, ça va, j'ai géré, là. De ouf. Du coup, attends. Messieurs, on monte Pont Rouge, je vous fais un 10-35. On est côté ouest, en direction est, vers quartier Marabunta. Est-ce qu'une unité peut anticiper, s'il vous plaît ? 3-30, on va essayer de faire une anticipation sans certitude d'arriver à temps. J'ai rangé sa voiture, déjà. 10-59. Capté, toujours sur l'autoroute direction. Ah, ils sont où les TLG, gros ? Ils sont attaqués, gros, hein ? Regardez ce qui se passe, hein ? Il est en procédure où ? 378, putain, son numéro, c'est quoi 378 ? On sort de l'autoroute, messieurs, dans 30 secondes à peu près. 378. Vous les avez ? Arriver. Dommage, je vais essayer. En procédure, mais en procédure où ? Attends. Bonjour. Attendez, vous êtes qui ? Davis, 378. Ah ben justement, 380. Et du coup ? On m'a mis avec vous. Ok, vas-y, viens. Parce que pour le coup, j'étais avec le sergent Nash et voilà. J'ai une qui anticipe, s'il vous plaît. Ok, ok. 10-4, voilà, en anticipation, on suit juste pour l'instant. Merci, la seconde unité, vous pouvez décrocher. De la 366, le 10-37 par en 10-56, un véhicule occupé deux fois. Ouais, du coup, on était en course-poursuite des mecs, etc. Ça a fini à pied. J'en ai suivi un. Le sergent, il est parti d'un autre côté. Lui, il s'est fait soulever. Moi, j'ai arrêté l'autre. Mais il s'est fait soulever comment ? Ben, aucune idée. Parce qu'il a un code 911 et on le retrouve pas, donc à mon avis il a été pris. C'est bon, ils l'ont trouvé, mais ouais, ah. Ils l'ont retrouvé. Ok. Je sais pas s'il s'est fait tirer dessus ou quoi. D'accord. Bien aimable celui-là. Ah, j'ai pas. Bah, du coup, j'ai mis sa voiture à l'abri, c'est bon ? L'individu prend. Il est parti. On passe à côté de l'hôpital, toujours direction ouest, négatif pour descendre sud, niveau Little Seoul sur ce 10-35 là. On prend plein sud direction Marina. Hop, vas-y, monte, tu m'as dit quoi ? Je vous disais, du coup, j'ai isolé sa voiture, je l'ai rangée au 5ème garage à Buffalo. J'ai récupéré la voiture quand même. Ouais. 10-35, messieurs. Qu'est-ce qui se passe ? Ouest, direction Vespucci. Boinkou, allez, à Boinkou, frère. Ah, messieurs, il est parti plein nord. Ah putain.
10-4, un 10-35 de la fuite tout de même pour pouvoir anticiper au niveau des frontières, s'il vous plaît. Ça va Nexus ? Tranquille gros ? Bien ? Du coup, qu'est-ce qu'on fait nous en fait ? On repart patrouiller normalement ? Bah pour l'instant oui. Hein. D'accord. J'ai pas grand chose à prévoir, est-ce que je... Ok. Est-ce que je peux voir ? Ok, je... DC. Crash. Allez, on relance. On relance. Même pas, je mets le truc. Rien à foutre. Voilà, comme ça, vous avez une jolie fond d'écran. Ouais, ouais, ouais. Ou alors, on met ça. Attends, bouge pas. Voilà. On va relancer, le temps de relancer. Ça crash, ça arrive. Voilà, en alerte. Tiens. Et en plus, tu sais quoi, pendant ce temps, je vais rajouter ça. Voilà, la petite arrestation des familles. Donc, hop, gestionnaire, on va faire péter le truc, ben il a pété, ok, donc on va relancer Fivem, hop, à mon avis, on a trop chargé de trucs, trop d'action en gros, trop d'action, allez, on est reparti, on est chaud. Il était une fois dans le pays du crash, le gros. T'as bien évolué depuis le Ranger, ça raconte quoi de beau ? Ben écoute, ça va frère, tranquille, on est ben, bien évolué, je suis à peine boot gros. Donc pour le coup, wesh Gusta ! Comment ça va mon gros ? Ouais, ça va gros, on est là, donc bien évolué pour l'instant, boot, rien de spécial. Hein. Moi je dis Rita, elle m'a rebooté le surf, merde. Allez. Et on repart sur GTA Life les gars. Et dans la vie, faut jamais cesser d'espérer. Et dans la vie, faut reconnaître les faux des vrais. Et dans la vie, ouais. J'en ai interpellé. Et dans la vie, les voyous se font menoter. Et on s'est dit, on va... Allez, calme-toi, c'est reparti. Voilà, on va voir où j'atterris. Donc je relance. Ok, je suis sur une grue. Ok. Du coup, utiliser. Ok. Tac. Ok. Du coup, on a dit. Putain. Fais chier, j'ai pas son truc à lui. J'ai pas son numéro. 378, j'ai pas son téléphone. Je sais même pas où il est, frère. Offre 375, est-ce qu'il y a encore des poursuites en cours, s'il vous plaît ? Pas été demandé où je suis. Il y a 3 unités actuellement derrière une shafter direction. Elbro, négatif direction la Mesa. 378, je l'ai pas moi lui. Est-ce qu'il y a essayé de tenir des calls réguliers, s'il vous plaît ? Parce qu'il y a des unités en anticipation depuis tout à l'heure qui essaient de suivre les directions. Capté, on prend la direction. Niveau place des cubes, là on va arriver au niveau du Bingo, nord place des cubes. On reprend toujours direction ouest, le coup. Négatif niveau de place des cubes, à l'est de la place des cubes, on va descendre sud. Négatif. Ouais, c'est 380, je suis à Mission Row, j'ai eu un problème. Merci. On prend l'autoroute direction ouest. Ouais, lui par contre, s'il est pas motivé, frère, je reste ici, j'arrête tout. Hein. Monsieur Dogui, yo le bon, comment ça va? J'ai raté beaucoup de live, mais bon, je suis de retour. Ben merci à toi, frérot. Laissez-le passer, c'est bon. De Marie 23, on est disponible pour n'importe quelle poursuite. Ok, merci. Capté, on est suffisamment sur la poursuite. Oui. Est-ce que c'est bon. Ah, mais si on est en train de sortir, on part direction Marina sur ce 10-35 là. Et nous, on part où? On part dans le nord? Le retour, bon retour à toi, il est revenu. Ah bah non, j'ai une couille. Ah, j'ai une couille. J'ai une couille. Toujours plein nord. Négatif, on redescend sud côté plage. J'ai une couille, hein. Je sais pas c'est quoi. Sud-sud-ouest.
Bah alors là. Alors là, frère. Est-ce qu'une unité peut anticiper, s'il vous plaît? C'est un truc de fou, ouais. Je sais pas. Ça relance, hein. On est reparti, les gars. Je ne sais pas du tout. C'est la chatte à la voisine. Je sais pas pourquoi. C'est le serveur, là. Ça arrive, hein. Pour vous faire écouter de la musique, en fait. Le taureau te buguait, mon pote, sur PS3, bugger ici. Non. Même là, tout à l'heure, au nord de Vinewood, là. Quelque chose qui va pas, moi, avec lui. Du coup, on est reparti. Tout va bien, toute l'équipe est sur le coup, exactement, gros. Je sais pas. Ok, Mirror Park. Là, je suis ici. Ok. C'est reparti. Utiliser. Ok. Non, c'est pas Filsberg que je vais appeler. Pourquoi il m'a appelé, lui, 3h53? Oui, Filsberg. Ouais, ça fait 6 fois que j'essaie de vous appeler, qu'est-ce qui vous arrive en deux? Ben, on a un petit problème, mon collègue et moi, de... Comment on dit, Desi, là, je sais pas quoi. C'est-à-dire que je suis à Mission Row. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nash? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On était en course poursuite et j'ai bloqué les individus avec la voiture. Ouais. En course poursuite de qui? De la Primo, là, de la Primo Nord, de 3 indies occupés 3 fois. Et ouais. On s'est mis en travers, donc j'ai fait un barrage anticipé, ce qui a fait que les mecs sont descendus à pied pour cavaler. Donc on était 2 unités LSPD plus la nôtre, on a couru derrière les gens. Et à un moment donné, quand ils se sont séparés, on a continué à courir. Moi j'ai arrêté une personne et Nash apparemment s'est fait soit tirer dessus, ou j'ai pas entendu la suite puisque... Ouais, je viens de le retrouver, comment ça se fait que vous serez reparti en Adam alors que le sergent n'était pas rentré? Ah ben parce que je l'ai cherché, figurez-vous, je l'ai cherché. Parce que là, il a été retrouvé au port, criblé de balles, le sergent. Ben oui, c'est ce que je vous dis, je l'ai cherché, etc. J'étais avec des unités aussi LSPD, ça cavalait dans tous les sens, etc. Et est-ce que vous avez des photos des mecs que vous poursuiviez, la plaque de la voiture, quelque chose? Je peux avoir certainement quelque chose, je vais regarder par rapport à tout ce qu'on a fait, mais j'étais au volant, hein. Ben si vous avez la plaque, envoyez-la moi tout de suite là, parce que là c'est tentative de meurtre. Ok. Il faudrait savoir qui c'était ces mecs là. Je vais essayer de check ce que j'ai dans le stock, je vous garantis pas, parce que quand je suis passé conducteur, forcément je prenais pas les photos. Ok, merci. Ok, allez, cherche tout ça, je vous recontacte tout de suite. Envoyez-le moi dès que vous avez, merci. Ok. Et comment ça se fait? Attends, comment ça se fait, gros? À un moment donné... Comment ça se fait? Me tue. Il te tue. Je vais voir ce que je peux poster. Je peux poster ça, là, ici, dans photo preuve. Alors, et ici, je vais mettre ça. Je vais lui envoyer. Comment j'envoie Filsberg? Filsberg, du coup. Là, c'est plus un convoi, frère. C'est un méga convoi. Filsberg, c'est le combien? Ah ben, on est là. Ouais, il faut que j'envoie en catastrophe 2 secondes de photo parce qu'il a été retrouvé criblé de balles à Nash. Ah, vas-y, vas-y. Tu reviens ici? Ah, vas-y, toi aussi. Alors, CTRL F. Phil. Berg, tu vois. Filsberg, donc hop. Et Filsberg. Et. Député 19. 19 Filsberg. Choisir depuis ma galerie. Tac. Tac. Ok. Filsberg.
Voilà. Je crois que tu sens le pâté dès que tu lui parles. Pas encore un. Je sais pas, gros, je sais pas, mais c'est pas. C'est pas amusant. C'est pas amusant, gros, parce que pour le coup. Voilà, c'est sec. Mais bon, on va voir. Hein. Ok. Donc, ce 10-35, ils reprennent direction sud actuellement. Action, mon service. Il faut que je remette le petit truc. Ils reprennent direction ouest. La radio. Et lui. Arrive à proximité il est où du golf actuellement, nord golf. Contact. Passe sud hôtel rose actuellement sur ce 10-35 direction ouest. Edit et c'est 378. Donc je me suis trompé. Terminé. On est à l'est du golf actuellement. Ouais, juste pour vous dire, 78, tu toujours Michel Rose, je vous rejoins quelque part. Je suis en train d'essayer de récupérer la bagnole. Donc, ok. Bouge pas, t'inquiète. Ça va, ok, merci. Je retourne tennis dans proximité du shop. Wouh! Ah putain de merde. Non, par contre, qu'ils me disent pas que c'est à la limite ma faute parce que le mec s'est fait cribler de balle. Hein, parce que pour le coup, j'ai. Là, franchement, pour le coup, j'ai bien joué. Adam Sanchez, on a repris, on redescend. Après, je sais pas. Hein. Après, en fait, ce qu'ils comprennent pas, et c'est comme sur toutes les interventions, quand ils ont un boot, ils font leur trip, mais ils te disent pas en fait ce que tu dois faire avec eux ou pas. Donc pour le coup, c'est compliqué, frère. Moi, après, j'avise, et j'étais derrière un mec, puis voilà. Hein. Okay, n'hésitez pas à continuer vos calls. Ça se passe tellement vite. Pour la Mario Fraud. Continuez call pour la Mario Fraud. On va voir s'il arrive. Il a retrouvé la voiture. Oh, bougez-vous le cul, là. On veut des 10-35. Dépêchez-vous. On est actuellement au Darnel, en direction Darnel. Merci. Oui, bougez-vous le cul, bougez-vous le cul. Oui. Ils sont chauds, ils sont chauds. Et vous, est-ce que vous êtes chaud, mes TLG? Bah, t'es dur, tu devais rester avec ton collègue, même si c'est pas le plus évident. Bah, écoute, hein. Mais dirais ce qu'il pense. Moi, je sais que. Je sais que j'ai fait ce que je devais faire. Ok. Ok, donc il va reprendre une bagnole, non? On tourne vers le coup. On va voir. On tourne autour du bâtiment du coup. Je veux pas dire quand même arrestation sur Flika, arrestation là, je l'ai fait descendre, enfin je fais un putain de blocage. Vas-y, décale. 4, on tient la droite pour King 330, le premier véhicule derrière. Ils repartent direction Arcadus, on tue en direction sud. Donc ça, c'est l'alerte. Pas besoin de 5 unités, hein. Il faudrait une moto avec 2 personnes. Il faudrait surtout des unités en code 5 actuellement. Ok, 2-3-45, du coup on a repris la poursuite avec la marine. Je vais laisser 2 unités se mettre en anticipation au cas où ça s'arrêterait pour nous shot fire ou nous prendre en otage, d'accord? Les autres unités pour repartir en 10-98. King 330, on lâche la poursuite, seulement 2 unités s'il vous plaît supplémentaires pour le code 5. C'est chaud. 5 sur les autoroutes, etc. pour éviter les pneus. Du coup, on va direction ancien concessionnaire depuis Marina. On va s'insérer dans le chantier. Ah, lui il parle pas, hein. Actuellement dans le chantier. Ah, lui. Je suis tout seul. Ça arrive en renfort, non? Regarde. Non, ça va. On est bien tenté. Pourquoi ça seul? On part direction Forum Drive. Tu as vu un peu, ils sont un peu dans leur monde en fait. On va s'en serrer sur je sais pas. 35, la boîte a pris, ouais. Ah. Est-ce qu'il y a ton moment, il passe là, je le bloque, bam. Ouais, par contre, tu es en train d'éclater
ta voiture là, il y a des parcs-mètres de partout. Ouais. Ah, yes. Ouais. T'inquiète. Ok, ok. D'accord. J'ai pas vu, mec. Je suis myope. Ça arrive, ça arrive. C'est une boîte de conserve, ouais, elle est tendue la voiture. Oui, c'est la première fois que je le vois. A315, je vous fais un 10-35 urgent, on a de nombreuses personnes armées avec des Kevlar. Donc au 302, on s'y rend, on est à 8 km 6. Je sais pas. 10, je prends la route aussi. C'est 92, on s'y rend pas de 3. Adam 05, on arrive aussi. Oh lolo. 76, si le dispatch est laissé dit, on n'a pas demandé de venir les cités, vous restez dans le sud. Offre-toi 75 et on peut rester tout de suite ici. S'il vous plaît, un petit peu de clarté radio, vous marchez pas tous dessus. Donc on a actuellement 3 unités LCC qui sont manifestées. En fait, un système quand vous arrivez sur place, on opère ensuite. 2 à 315, il faudra vite couvrir les deux sorties parce que je pense qu'il y a deux sorties par où ils peuvent partir. On sait qu'ils peuvent partir. Ils sont où ? Sur la plage. Je suis en train de check, ils sont restés sur la plage en fait. Tango 302, ils sont au niveau du pont avant Zancudo, c'est le grand pont. Ouais. Pour 315, la seule sortie, il n'y a qu'une seule sortie. De A315, ils sont en train de partir, le convoi est en train de partir. Direction, s'il vous plaît, on peut faire un barrage Great Ocean. Pour le moment, ils sont encore sur les chemins en terre. Ils viennent sur la Great Ocean. Je vous donne la direction. Pars pas trop loin, pas. Je sais pas s'il aurait pas dû continuer par l'autoroute. J'sais vraiment pas. Ils vont s'insérer sur la Great Ocean Highway, je vous donne leur direction. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. T'aurais peut-être dû continuer l'autoroute, non? De A315 pour je vais couper. Ok, ils sont ouais. Les individus sont fait récupérer en primo noir mat. Ils prennent direction parking multicolore depuis l'autoroute. Parking multicolore depuis l'autoroute? Ok, ça c'est pas pour nous. Ah voilà, voilà. Ça c'est une autre poursuite. Ah voilà, j'allais dire merde. On aurait besoin de renfort pour faire des 10-38 s'il vous plaît. 0-2 en énonciant. Dit 3-78 en route. 3-78 en route. De 51 à toutes les unités LSPD, vous attendez qu'on demande des unités LSPD. Pour l'instant vous laissez le LSSD gérer s'il vous plaît. De A315, le convoi est reparti actuellement. De 25, on a un barrage routier ici présent. Rempli de Hertz, j'ai reçu, parfait 25. De A315, ils ont fait demi-tour et repartent vers le nord. On est vraiment tout seul, on aurait besoin vraiment de 10-35 s'il vous plaît. De 390, je suis à 1,304 à l'approche. On a 4 véhicules. 302, on a 1,5 km. C'est une unité surtout de dispatch SD qui peut anticiper en passant par l'autre freeway s'il vous plaît, par le. Tu les chemins de terre sur ce 10-35. 378 en anticipe sur l'autre autoroute. Je suis là au froid, je vais y voir. Non, 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 on va pas autoroute, frérot. Ah. On va les bloquer surtout. Ah, bah alors dis-moi, alors frérot. On va bloquer sur le pont au niveau des. Sur le petit pont métallique, chemin de terre. Parce qu'ils vont passer par là. Ouais. D'accord. De A315, ils ont potentiellement mis les armes dans une seule voiture parce qu'on les a vus faire des échanges sur la route. Donc j'annonce barrage au niveau du Candelost. Non, non, non. Ok. Négatif, ils sont repartis dans l'autre sens, 25, je pense que vous pouvez lever votre... 315, on s'est fait couper... Meilleure formation, là. Je sais pas, gros. C'est bien plus. De 378, on arrive de côté Stop City, signalement affirmatif. Voilà, non. Vous pouvez rappeler signalement des véhicules, s'il vous plaît, modèle couleur. J'ai pris mon or. Et là on est derrière un Rebla noir, Vetulman. Derrière vous. 330 à 25, vous pouvez lever le barrage, c'est gentil. Bien pris, bien pris. Au cas où, la dame 113, on a récupéré la primo qui a récupéré les deux individus en 213. On est actuellement... Ok, on a des collègues retournés là. 318, on a... Que l'important s'il vous plaît, on a repris les shafters actuellement, elle se dirige à Stop City sur les chemins en terre.
Ces 390, elles m'ont percuté. Qu'est-ce que copie? 92 à 88, je vous appelle pour votre TVH. 7-310, gardez l'en visuel s'il vous plaît, prenez la distance nécessaire. Combien d'unités qui peut s'entrer de place s'il vous plaît côté à la suite? Que vous étiez deux? Non, je pense pas. Trois shafters actuellement, on est derrière 3 shafters. Dispatch SSD s'il vous plaît, je veux 2 unités supplémentaires minimum là, un petit peu de réaction ça serait gentil. Dis-moi si tu veux que je colle quelque chose, etc. N'hésite pas. Fais les calls. Je dis où on se dirige. Ouais, route 68 là. 45 pour Sandichard. De notre côté qui sont occupés, n'hésitez pas à demander les unités. Ils se sont split. 10-35 pour le placement d'ARS. 2-3-15 pour information. Le il est fatigué, frère. Ils sont déjà partis. Vers Paléto. 378, on est sur Sandichard. Ils se sont split. Ils sont vraiment loin. Cachez-vous sur la Syrie. Ils vont peut-être se prendre les ARS. Poursuite encore en cours s'il vous plaît pour le nord. 378. Je vais faire l'écho, t'inquiète. Du coup de 378 actuellement sur une poursuite d'une shafter Sandy Shore direction de Rapsid. Du coup le convoi de 3 véhicules s'est split au croisement Stab City. Donc il y en a qui sont partis route 68 ainsi que chemin de terre direction Zancudo. On a perdu le visuel, on poursuit celle direction Rapsid. 3-15 si vous êtes disponible s'il vous plaît, veuillez vous rendre sur la poursuite 378. Ouais. De A3-4 actuellement derrière le Rebla Noir. Ils vont vite, hein. Si jamais pas gauche, les R sont encore posés. Franchement, je les vois même pas. Toi, tu les vois peut-être mais... Ouais, ça y est, là je le prends. Ouais. 98, est-ce qu'il y a besoin de renfort? Affirmatif, il y a besoin de renfort s'il vous plaît aux alentours de Grepsid sur une poursuite avec une shafter noire. 378. Affirmatif. C'est capté. 378, actuellement on est sur Grepsid, on va se diriger direction Fermonil. Pour information, nous on se redirige au niveau de Paléto. 4, veuillez joindre 354 ceux qui sont à Paléto. Concernant la poursuite 318 et 318, veuillez joindre 378 par TPH, s'il vous plaît. Il va nous la mettre, il y a personne. Hein. Ok, gauche. Matricule de l'agent en poursuite de la shafter à Grepsid, s'il vous plaît. 378. Merci. Il veut pas me laisser parler tout, hein, c'est ouf. C'est incroyable. On reprend la freeway à côté Grepsid. Il est sur Paléto Boulevard. Paléto Boulevard pour le Rebla. Au niveau du chantier. Derrière le Bingo. Faut qu'il m'appelle là. Ça part directement les rails. Tu veux que j'appelle? C'est la seule que j'ai pas son numéro. Bah normalement elle est censée. Bah ouais, je sais. Je crois qu'on vient de vous croiser là, Yotul. Et le Rebla au niveau des vignes. Yotul. Passe au niveau de la grange sur ce 10-35. Incroyable. Et reprend l'autoroute. Incroyable. Vers Paléto. Oui, du coup là, on va arriver à Bolingbrock là. On descend sud. On va descendre sud. Essayer de prendre la photo aussi. Je vais juste à moi aussi. J'annonce ou pas? Ouais, direction LS là, frontière. Et 364. T'es nous lâche, hein? Vas-y, boutez une annonce claire comme quoi on va passer la frontière au niveau de la poursuite de Shafter, donc. S'ils peuvent mettre des mecs entre guillemets en anticipation. À 378, en poursuite du Shafter, on passe la frontière si vous pouvez mettre des personnes. En contrebas de l'autoroute, s'il vous plaît. 10-4, quelle frontière, s'il vous plaît, à quel niveau? Frontière sud, casino. Frontière sud au niveau du casino. 10-4. Là, il a un contresens. Pour info, il a pris un contresens 378. Adam 51, on s'y dirige également. 10-4, merci. Autoroute à contresens, ma chérie, il est à contresens, ce fils de pute. On continue pillbox là. 378, on continue pillbox. T'inquiète, c'est bon, y'a plus besoin de code pour l'instant. On a pris la sortie. Okay. Putain, là j'ai perdu. Ok, il a pris là. Direction ouest, là sur l'autoroute, direction Vinwood. Attends, il fait demi-tour. Enfin, direction Vespucci, là on va direction place des cubes. Là. Direction place des cubes 378. Vas-y, c'est bon, t'inquiète, t'as plus besoin de code, je suis au téléphone. Pour ça. Ok.
Place d'équipe, ouais, c'est... Vous voulez garder lead? Quand vous voulez... Non, vous pouvez me faire des calls, s'il vous plaît, 30 secondes, je vais pas réussir à vous suivre si j'ai pas de call. Good. 51, appelez-le directement, le 61-983. 61-983. Stanier, moi derrière. C'est discret pour vous, 51 ouais. On est déjà très loin, c'est dommage. Ils sont direction okay. Derbridge, si vous voulez, 51. Code IF, sergent. J'écoute. Non. Ok, vous êtes où actuellement là? Là, on est en train de repartir sur Mission Row, place des cubes maintenant. Repartez, place des cubes, fais demi-tour, Mars. Tout est venu avec qui? Avec 51. Avec 51? Oui. Donc là, on passe sous le petit parking. On est au petit parking de Pillbox souterrain. Vous passez au parking de Pillbox souterrain. Il reprend place des cubes. Il reprend place des cubes. En direction des quartiers chauds. En direction des quartiers chauds. Maintenant il est parking central. Chantier. Il se dirige à l'est. C'est lui là. Ouais. Donc là, parking juste avant le parking rouge, il tourne à droite, il reprend les hauteurs de Vinewood. Là il se dirige vers les hauteurs de Vinewood, hein, d'accord. Bon, le, ouais le, ouais là, donc là on est d'accord, tu passes à côté d'Arcadius. Exact. Et il y avait okay, des mecs il y a trois là, unités donc vous vous laissez. Il passe devant le motel. Le problème c'est que l'unité entre nous deux, noirs, etc., ça les a bloqués. On va rester téléphone, on va essayer d'anticiper, d'accord. Affi. Là il remonte pour prendre le... Non, non. Merci. Là, là okay. Il se dirige autoroute sans inverse freeway. Est. Ok, freeway sans inverse. Maintenant, ok il a repris le sens normal, mais non, il monte toujours, ok. Je vais pas à la droite. Il est sans inverse. Sur le sens inverse de l'autoroute. Il reprend en sens normal ouais. Et il sort côté casino, sortie casino. Il sort casino, tu vas toi. Il reprend autoroute. Il reprend autoroute. Toujours direction nord. Toujours direction nord. Ok, il prend nord, bon bah full nord. Il arrive presque post frontière. Par contre là il va nous mettre une pointe là. Il arrive post frontière, ok. Il a une de ses reprises avec la chasseur. Ouais, go, ouais, ce que j'allais dire, anticipe par là. Il a passé frontière. Il a passé frontière, ok. Dites-moi quelle sortie il prend. Non, elle a été bridée. Pour l'instant, ouais. Pas de sortie. Ok, quoi, la voiture continue vers route 68 en Dichard. Ouais, j'ai split, j'ai pris à droite encore. On arrête la course poursuite, notre unité qui était en course poursuite a fait. Ouais, je savais pas si c'était la chapter. Vous me dites s'il sort ou pas en France Dichard. C'est celui-là, quoi qu'il pied. Je sais pas, mais il veut pas s'arrêter là, le mec en face de. Ok, je sais pas si on l'a perdu, puisqu'on a split attendez, côté autoroute est. On a resplit vers, vous savez, l'autoroute des Marins. On reprend. Hop, ah, la frontière. Pris... Ouais, on a split. Vous avez pris autoroute est. Ouais, c'est quoi, c'est la shafter ça? Ouais, on est Mars, ils ont pris à l'est. Ok, on a une shafter qui se met sur le côté, qui obtempère. Le véhicule est parti en off-road au niveau des paraboles. On est au niveau station essence, d'accord? Ouais, station essence, ouais. L'obtempère, pour l'instant. Attends, Gradio, je peux même pas call. A lâché la poursuite, on a rejoint notre unité pour du la coup, monsieur les agents, on se regarde. On... Tant qu'on pas santé 2 minutes, là, s'il vous plaît. Allez-y, donnez plus d'infos. Pas plus d'infos, mon coéquipier prend. 2 minutes, s'il vous plaît, monsieur. Mon coéquipier prend la température, il les fait patienter. Comment ça, il est fait patienter? On est en 10-38, ils sont dans l'intérieur du véhicule, occupé deux fois. Là, vous êtes à l'arrêt, là? Oui. Au niveau de la station essence qui mène vers le quartier Mara. Coupez le contact du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, il coupe le contact du véhicule. Ok, pas de soucis, on vous laisse gérer. Descendre. Oh, Affi. Seulement le conducteur. Non, pas de soucis. Venez avec moi sur le bas-côté, s'il vous plaît. Ok. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Bonsoir, très bien, vous? Oh, super, super, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, je sais pas, je vous vois faire des trucs un petit peu bizarres sur l'autoroute là, je sais pas ce que vous m'avez fait. Ah non, j'ai l'autre con, j'étais en train de me battre avec mon ami en même temps. Il a perdu la voiture, c'était pas celle-là. Pas normal ça. Il me caressait la cuisse et je mettais des tapes dans l'épaule, du coup ça veut dire que je faisais des droites gauche comme un con. Je suis vraiment qu'un con. Il est con, monsieur. Ouais, mais t'as qu'à arrêter de me caresser la cuisse, Cody. Enfin, des shops, Shotfire. Bah écoutez, mais monsieur, on va procéder quand même un petit contrôle d'identité, d'accord. Pas de suite, c'est bon. Vérifier tout ça. Dites-moi, est-ce que vous aurez quelque chose à boire, monsieur, tout hasard? Ouais,
C'est compliqué, mais. Deux atomes qui se mettent en contact. Connor McCreary. Mais non, c'est vous le fameux Connor. Connor McCreary. Pour vous servir. Vous savez qu'il y a beaucoup de véhicules à vous là qui servent à faire des supérettes, tout ça. Hein. Ouais, bah ouais, mais c'est mes neveux, ces enculés. Ils prennent mes véhicules, ils font de la merde avec. Bah, yes, super. Putain. Bah, super, super. Ah, mais du coup, vous me dites que c'est dans votre famille, super. Hein, c'est vos neveux. On viendra les chercher un jour. Oh, bah, je vous vois pas, il y en a une trentaine, bordel, quoi. Je te jure, vous allez savoir qui est lequel, même moi, je sais pas, pour vous dire. Ok, ok. Écoutez. Ok, du coup, c'est quoi vous m'avez recommandé ça là ? J'ai même pas vu si c'était le permis ou la carte d'identité. Vous avez le permis ? Ouais, tenez. Reste que 6 points, bordel. Ouais, ouais, bah, si vous continuez à faire des zigzags sur autoroute et à vous battre, forcément vous allez le perdre bientôt. Hein. Je sais bien, c'est vrai. Vous en avez mis du temps à vous arrêter. Hein. Mais en fait, je pensais que vous étiez en course-poursuite à la base. Je vous ai beaucoup de voitures sur le ouais, bah, j'étais en course-poursuite avec une voiture qui ressemblait un peu à la vôtre aussi. Même couleur, avec teinté. Bah, seulement encore un de mes neveux, quel enculé. Pas des enculés là-dessus. Ok, bah écoutez, c'est bon de mon côté. Messieurs, à l'intérieur, tout va bien. Cody, tout va bien ? Cody ? Ça va bien, c'est bon. Ouais, moi ça va. Ah bah, ben, 5, 400 mètres. Mais pas, putain. Ok, très bien. Mais allez-y, vous pouvez reprendre le bonne soirée à vous, monsieur. Bonne soirée. Code 4 sur les derniers coups de feu à côté du cimetière de Los Angeles. 1637, 1,8 km du dernier appel de sens. Ouais, radio, ils avaient split. Ok. 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 Hold up, les gars. Hold up. Ah ouais. On va annuler l'action qu'il y avait tout à l'heure là. On annule l'action. Et on va continuer. Elle est chaud les gars. On va bien trouver un moment donné un truc. Le shafter. A378 code 4 sur le dernier 1038. Mais je comprends pas les mecs qui sont fatigués, sont épuisés, etc. Et tu prends du service. Mais... Ouais, ça va, sergent, du coup, vous l'avez perdu ? Ah, là, c'est différent là. Mais non, c'est terrible. Putain, mais vous savez que quand on a speed, en fait, c'était le même modèle de véhicule. Hein. Il va où ? Il va où ? La même couleur. Il va où ? Tu vas où ? Apparemment. Bah, le problème, c'est que lui qui a eu qu'à fouiller en fait et qu'on est. Bienvenue, bienvenue à toi. Le bon et tout. Bienvenue chez les TLG, gros. Tiche. Écoutez, tant pis. Bon, allez. Au revoir. On fait quoi là ? Bah, on tourne. Non, mais comme je suis en apprentissage, histoire de savoir un peu ce qu'il en est, ce qu'on fait, ce qu'on check, etc. Rien, on tourne okay. Juste sur des lieux plus ou moins connus pour des rendez-vous. Très bien. Et c'est souvent emprunté ici pour ce rendez-vous ou autre. Ok. Il y a souvent des choses dans le coin. Ok. Sinon, ça fait longtemps que vous êtes au LSSD ? Ouais, actuellement ça va faire 4... Non, pas 4 mois, j'abuse, mais je pense 2 mois et demi. D'accord, ok. Après, j'étais au LSPD avant, mais... Ouais. Ok. Ciao, Gégé, à demain, à la bise. Et toi, du coup, t'es nouveau. Avant, tu faisais quoi ? Avant, je faisais quoi ? J'étais park ranger, et avant, j'étais sans emploi à Sandy Shore. Sans emploi à Sandy Shore ? Ouais, parce que je viens de là-bas. Ok, yes. Ok. Putain. Mais je suis toujours pas grandeur d'ailleurs. Mais je pense que okay. Je vais aller les voir, c'est pas possible de. Si je veux même bastir. Faire builder en même temps. Compliqué. Ouais. Le cap. Sur le Dring 900 au poste. Cap commercial.
De 92 à 315. Yo Viré, comment ça va? Tranquille ou quoi gros? Ça va gros, ça va? On fait des interventions, on essaie de faire bien et on fait de belles choses, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui suivent pas derrière et que ça risque de me retomber dessus parce que tout à l'heure sur la course poursuite je stoppe quand même les mecs. Derrière on en arrête un. Mais mon binôme s'est fait cribler de balles. Il a pas suivi la bonne personne. Après il m'a dit je me suis jamais fait prendre en otage. Envoyez un maximum d'unités, ils sont vraiment beaucoup, va falloir procéder à des contrôles, il y a des Kevlar. On est en ASD, on est juste au-dessus là. Le mec Kevlarisé, il fallait plus le dire. Prenez des photos s'il vous plaît. Il est chaud lui devant là. Je vais vous poser cette photo preuve. Parfait, merci beaucoup. Attends, c'est pour ça qu'on arrive. Ils sont armés. Pas l'information, ils ont des Kevlar. Ah ben non, mais c'est un collègue. Oui, oui. C'est Sierra 3D9, je vais également converger. Je te jure, mon souhait là, c'est de tourner avec quelqu'un, tu vois, qui soit sympa, dynamique et tout. C'est pas qu'il est pas sympa, mais tu vois, que tu échanges, que tu parles. Ouais, ouais. Ça va, je dis. Pour information, c'est fou. Vraiment au niveau de la supérette de. Respect. Messieurs. Oui, non, mais c'est parce qu'il a pas envie que je dise que c'est lui, parce que voilà, il a la honte. C'est faux, moi, j'assume quand j'ai un accident. Moi. Arrête, une fois t'as eu un accident, tu m'as balancé le chien, t'as dit que c'était moi. Tu sais que je suis superviseur canin, je peux faire piquer ton chien. C'est pas. T'es au courant de ça? Vous avez entendu les garçons? Je sais pas si je dois entendre, c'est qui le plus gradé? T'es au courant que je peux le faire? C'est moi la plus gradée des deux. Ok, alors j'entends tout. Alors j'entends plus. Et vous êtes mon bout attitré alors si vous voulez. C'est pas faux. D'ailleurs, il faudrait que je vous parle de petites secondes, c'est possible? Vous êtes viré. Ouais, ok. Regarde-moi bien. Je vais faire piquer Rocket. Et j'appelle. Arrête, mais pour quelle raison? Je voulais vous parler. Ça sert à rien, je trouvais. Je voulais vous parler d'un petit truc qui s'est passé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais à Nadam avec Nash. Ouais. J'étais au volant. Donc on suivait des mecs, etc. J'arrive à anticiper, je fais barrage, je les oblige à descendre à pied, donc jusqu'ici, GG. Les mecs, ils cavalent, etc. Je cavale derrière un mec, j'arrive à l'appréhender, mais Nash, en fait, il a piqué, dans l'action, en fait, c'est tellement passé vite, il a piqué sur une autre personne et il s'est fait cribler de balles. Oh merde. Ouais, je vais déguster ou pas? Parce que pour le coup, j'ai vraiment suivi la cavalcade, quoi, en fait. Non, théoriquement non, mais par contre, faudra pas oublier de faire votre rapport d'incident. Mais j'ai pas fait d'incident, j'ai pas tiré. Non. Oui, mais enfin, en fait, si vous voulez, le rapport d'incident, on le fait en général quand il se passe quelque chose de grave. D'accord. En l'occurrence, votre collègue s'est fait tirer dessus, il faut aussi expliquer les faits. Donc, faites votre rapport d'incident et non, moi je vois pas de l'expliquer comme ça, je vois aucun problème. De votre côté, en tout cas. Ouais. Non, mais parce que pour le. Ouais, pour le coup, j'ai. Quand on fait bien, vous inquiétez pas, c'est le métier. Non, mais je préfère demander, voilà, au cas où. Vous venez de l'Ohio, vous, il y a un petit accent. Eh, moi, je viens du sud de Sandy Shore. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, donc, non, n'hésitez pas à faire votre rapport d'incident, et non, voilà, il n'y aura aucun problème. Ok, bah écoutez, mes respects. Le rapport d'incident ne concerne pas uniquement que quand on tire. Très bien. On les fait quand il se passe quelque chose de grave. Ok, en plus j'avais pris deux photos avant de prendre le volant, donc pour le coup c'est parfait. Laisse-moi parler s'il te plaît, direction plein nord là sur la GOH. Ok. Oh bordel, je suis épuisé, j'en peux plus de la radio. Quelle soirée. Ah ouais, c'est chaud la radio, c'est vrai. C'est vrai que ça. Le plus beau des petits de San Andreas. Attends, je vais l'appeler, alors là, je vais l'appeler Charlie, savoir s'il y a encore un truc chandélien. Pourquoi il a un tatouage lui? Hey. À pleine balle. Attends, okay, je vais lui poser la question. Bon, vas-y, on bouge, nous. Ok. Attention à vous, messieurs, okay, les gars. Respect. Allez faire un code 5 chandelier. Hein? On en vient. Code 5 chandelier. On en vient, hein? Code 5. On en vient. Ouais, non, mais là, tout de suite. Ok. Parce qu'il y a 30 secondes. Là, il y a un truc, en fait, c'est pour ça. Allez. Il y a quelque chose pour ça. Merde. Salut. Si vous pouvez, va te répondre. 19, s'il vous plaît. On a actuellement 4 voitures là, au niveau de la. Super de chômage là avec des hommes habillés en rouge à l'intérieur là, est-ce qu'on procède au TIS 38 ou quoi? C'est bien reçu, ils étaient effectivement sur la zone, ils étaient en position de Kevlar. Hein. Allez, on va voir ce qui va se passer. On y va.
Il faut que je fasse un rapport d'incident. On a un visuel, s'il vous plaît, sur les autres véhicules. À part moto. Comme reçu, du coup, les véhicules des individus en rouge, là, sont stationnés au niveau de Chumash, près de la supérette. Les distributeurs sont au courant. Le 330, les motos ont bel et bien quitté la zone, elles sont actuellement en direction nord sur le pont Jean Coudeau. Ah ouais, il est comme ça. J'ose même pas les demander en fait où on va. Vous pouvez donner des cols euros pour les motos s'il vous plaît. Elles ont continué tout droit direction Hookies, mais rien à leur reprocher a priori à part qu'elles étaient sur place. De 25 pour 22, quel était de base l'appel? Je sais pas ce qu'il fait gros. Je sais pas. Il ne sait pas ce qu'il fait pour l'instant, écoute. C'est... C'est capté, sergent. Pour un rapport d'incident, je prends où la trame? C'était l'incident de quoi? Par rapport à tout à l'heure que Nash s'est fait shoot et que j'étais avec lui. On a aucun visuel de vos voitures hein, avec les Kevlar, hein. On a beau rechercher, mais. Ils sont garés. On est actuellement en 10-38 sur ces voilà. Véhicules là. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous pouvez faire un 10-35 sur ici? Oui, oui, c'est Mimi. Attends, je vais chercher ça. Regarde dans le document LSSD. Déposition. Bon, soit tu fais une déposition. Oh, mal. Tu ouvres un GDoc et tu marques ce que t'as vu quoi. Il n'y a pas un GDoc rapport d'incident précis? Je vais chercher, je vais regarder. Non, non, mais vas-y, conduis. Regarde sur le MDT. Ok. MDT. Il y a quoi dans le MDT? Rapport d'incident. Rapport d'incident. Ok, merci beaucoup. Sur le MDT. Hein. Ce sera une catastrophe pour les 1038 au niveau du supermarché. Vous pouvez lever le camp, on peut partir. On va faire un GDoc Google. Google. Tiens, je vais vous partager ça pendant ce temps que je suis en train de le taper. Les agents devant la supérette pouvaient enlever les véhicules et laisser partir. C'est mon contrôle effectué, messieurs, on peut y aller. Madame 34, on part en 10-36. Ça c'est ok. 10-56 après un streeter jaune occupé deux fois. MDT, donc du coup, qu'est-ce qu'on va marquer? Qu'est-ce qu'on va marquer? La dame 92, la dame qui vient de prendre le 10-56 suite à la dernière supérette. Allez, écoute, la dame 92. Vous leur mettrez un... Nous étions... Nash, c'est quoi? On a un individu blessé au sol, on appelle les médecins. C'est que... Non, Nash... Hop, on va faire Nash. Nash, c'est 23. De Marie 23, 23. La personne 56 au niveau du parking rouge, est-ce que vous avez besoin de backup hein? Bon, point. 23, j'ai dit. Atom 34, pas besoin de renfort pour le moment. C'est capté. Call prioritaire de la K83, actuellement des 10-31 sur ce 10-35. Besoin de renfort imminent. Immédiat. Immédiat. Nadam, dites-moi un peu ce que je dois marquer. Code 3 également. Capté, vous avez besoin de combien d'unités, messieurs? 10. 3 unités, s'il vous plaît. Ok. 56. Faites des calls. Plus souvent pour qu'on puisse vous suivre. Il n'y a pris aucune poursuite en cours pour le moment. Donc on voit. Violet sur place. Capté. Les voitures. Assez distant. Y aller. Yeah. Les individus kevlarisés sont actuellement sur les toits également. Y'a pas de kevlarisés, fils de chien, ça n'existe plus. On a patrouille. Ils ont dit qu'ils allaient vous blâmer, frère. Alors, que non.
Ok, shot fire, messieurs. Ouais, je suis toujours avec toi, moi. Je suis toujours avec toi, je suis en train de taper mon truc là sur le côté. Vous approchez pas trop de la zone, t'es gaffe. Lorsque nous avons. Lorsque nous avons. Je suis là, vous faites une ligne s'il vous plaît au niveau de là où on est. Vous m'encerclez tout ça, messieurs, on va attendre un petit peu que ça se passe. S'il y a des gens qui s'amusent à récupérer leurs petits copains ou quoi aux caisses, eh ben on intervient. Pour l'instant, s'il vous plaît, je vous demandais d'entourer la zone. N'hésitez pas à parler, on vous écoute. J'en peux plus, les psys, passent les gars. Pour information, Nora. Parce que nous avons pris le. Au niveau du champ de cannabis. Essayez de me bloquer, s'il vous plaît, voilà. Suivez-moi toutes ces routes, s'il vous plaît. De Marie 23, on aurait besoin d'unités au niveau de la plage, s'il vous plaît. Il y a personne et il y a plusieurs individus qui s'en rapprochent petit à petit. Ça récupère du magasin, des corps là-bas. Ça récupère, mais encore des tirs, messieurs. On va attendre un petit peu, je suis désolé. Et on va mettre ça. Je comprends pas, ils sont bizarres. Essayez de me bloquer lui là, Buffalo là. Voilà, go, on peut y aller, messieurs, on peut y aller. Oh, il vient de se faire finir. Derrière nous, messieurs, sur le toit. Ok. Et ensuite, j'avais. Vestis la zone, s'il vous plaît, vous me fouillez toutes les ruelles, les toits, il y a eu un tir d'un toit là, de là où on est. Essayez de le choper, ouais, le mec sur le toit dans l'angle là. Copier. Coller. Tac, Edit, ok. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Putain, il y avait un mec qui court. Quelles heures les prises de rendez-vous ? Qui était sur la fusillade au niveau de la lorsque plage, nous avons pris le 10 je suis actuellement tout seul, donc c'est possible d'avoir une unité en renfort. Affirmatif, Adam 15, on est derrière vous. Un véhicule noir, c'est un véhicule noir, je crois. De 51, cette unité qui font rien, là on est beaucoup sur la fusillade, vous pouvez vous permettre de prendre des poursuites ou d'aller épauler là. Ceux qui sont sur le terrain, vous restez avec moi là sur la fusillade, mais le reste vous pouvez aller aider les poursuites. Particulièrement d'un véhicule. D'un véhicule signalé. Celui-ci. Nous amener vers les ports. Côté. Est-ce qu'il y a toujours des 10-56 affirmatif pour Adam 113. De 40 pour tous, est-ce qu'un. Oui. Excusez-moi, les gars. Ah, pas des 10-35, 113. Barrage. Affirmatif. Capté, de 40 pour tous, est-ce qu'un 10-52 a été fait sur la fusillade ? Si. Est-ce que 10-52 est effectué ? Les trajectoires. Capté. On déplacerait, hein ? Véhicule. Actuellement devant Arcadius sur ce 10-35. Permis. On dit négatif actuellement, on commence à sécuriser. Une fois c'est bon, on va faire un 10-52. Attendez une petite minute. À un moment, il y a eu besoin d'une mairie. Formé. Oh putain. 10 57 à pied. Non. Épaulé. D'un Adam LSPG et de Marie LSPG. Voilà. Chacun. J'ai pris le premier qui était devant moi. Interpellé lorsqu'il a chuté, non ? Ouais, lorsqu'il a chuté. Lorsqu'il a chuté du haut.
bâtiment. C'est alors que 3.23 a déclenché son comment on dit, a déclenché son code 99 ou a déclenché son l'appel 911 Dieu pour 23. La dame 70, ah si lui s'en bat les couilles, je vais lui dire. Actuellement sur ce 1038, un gros rassemblement de véhicules type sportif. Capté Edouard 12, on peut se rendre disponible. Et Edouard 55 est également disponible si besoin. Bel bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On peut vous aider peut-être Capté de Edouard 12, on va s'y rendre et on vous dira. Je pense que ça devrait pas de soucis. Bien sûr. C'est capté. Bah ouais, je pense que ça devrait aller. Je pense que j'ai demandé à vous de circuler, messieurs. Ce sera peut-être un petit peu bien. On gêne pas la circulation. Alors actuellement, vous êtes derrière un poste frontière, d'accord. Vous faites des courses illégales, parce que je pense que vous n'avez pas l'autorisation sur les deux voies. Donc oui, je pense que vous gênez un petit peu la circulation, monsieur. Après, si vous voulez pas circuler, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'appelle la cavalerie et on vous fera circuler quand même. Donc, je l'ai pas demandé. Je voulais savoir c'était pourquoi c'est cet arrêt et cette observation. Du coup, je vous ai répondu. Ok, ok. Je vais repasser le mot du coup. Pas de souci, merci. Ouais, bonne soirée. Bien évidemment, je tiens à rappeler ce que les médecins ont dit. Vous ne les entassez pas, s'il vous plaît, c'est des animaux. Vous leur laissez chacun un espace. Je leur ai dit qu'ils bougent. Ouais. Concernant la course de rue, elle était en mouvement. Ne répondez pas. Alors actuellement, on a une course de rue en mouvement et un rassemblement de véhicules sur les deux côtés de la route. Oh, j'ai demandé aux individus de bouger, du coup. Comment ça? Bouffon, sur le col, s'il vous plaît. La direction nord. PDP Mission Row. Le départ de la course s'est fait direction nord. J'ai pas vu le modèle des véhicules. Actuellement, les véhicules qui étaient stationnés sur le bas côté, ils sont en train de circuler nord également. Il est repris, la dame. Paris 23, on va prendre le dernier 10-59, on a 300. Avec 3 points. Pour toutes les unités sur la fusillade, je vous fais un 10-35 sur deux individus blessés. Et des unités peuvent les rapatrier au point de rassemblement des blessés, s'il vous plaît. 2-51, excusez-moi. Qui a eu les EMS au téléphone, s'il vous plaît? 72. On a le droit de les déplacer, les rassembler ou les déplacer à l'hôpital? Hôpital mort. D'amener à l'hôpital, de toute façon, il est tout seul. Alors, reçu, alors vous me les rassemblez sur le point de rassemblement que je vous ai fait, vous me préparez les voitures, vous me les chargez et vous partez s'il vous plaît à l'hôpital. 380 donc. 14 pour notre dame complète, on va les diriger au niveau des internes. Lucas. Merci à vous, il va me falloir la dame qui reste également pour tout ce qui est photo, pour les plaques de voiture, sauf si y a une Sierra qui a besoin de la Sierra s'en occupe. Je suis déjà sur zone, je vais m'en occuper. Merci à vous. Ezra. Hop. Les gars, je laisserai également refaire un check-up de la zone, on oublie toujours quelqu'un, faire un petit tour. Du coup, de la dame 378, c'est un code 4 sur la course de rue, on a demandé aux individus de circuler, ils l'ont fait. Après, bon, je pense qu'on repasse dans 5 minutes, ils vont être là, ils vont être retenus. Ils vont revenir. Ouais. Allez, ça c'est bon. Voilà. Voilà, j'ai fait mon ticket d'incident, excuse-moi, hein, du coup, voilà. T'inquiète. Là, je suis ok, mais au moins j'ai détaillé tout ce qui s'est passé. Au moins comme ça, il n'y a pas de paix. Voilà, on est reparti, les gars. Yes. On est reparti. Il faut vraiment après que. Tu vois que je tombe avec un mec tu vois, qui te fait conduire, qui. Voilà, qui s'occupe justement tu vois, d'école et compagnie, mais pas qui s'occupe de tout. Que l'ensemble des blessés a été rapatrié. Parce que sinon c'est compliqué, mais bon, petit à petit, comme j'ai dit, dès que tu prends du poil de la bête et compagnie, ben tu peux te permettre en fait de prendre ton véhicule à toi, etc. Donc voilà. Wow. Moi, je pense qu'il manquait une casa di papa ici, non? Ah, putain, ça manque pas de... Adam 34, 10-19, pillbox. Ça manque pas de voyous ici, gros.
Vraiment pas pour le coup. Putain, les gars. Ah non, parce qu'on a essayé qu'on tente d'effectuer un 10-38 sur le véhicule. Vous allez bien? De quoi? On effectue un 10-38 sur quoi? Bien sûr, anti-C là. On essaie. 3 véhicules type sportif. 1056. A 378, c'est un 1056 sur 3 véhicules au niveau de Sandy Shore où il y avait la course illégale. Sur le 1035, besoin de 2 véhicules. Sur le 1035, besoin de 2 véhicules en backup, s'il vous plaît. On a 1 km 30, on sent en backup. Je signale les couleurs des véhicules. Pour l'instant, non. Non, d'accord, donc ok. Et t'as bien vu, genre là-haut, il y en a encore 4 qui... C'est clair, c'est clair. Non, mais... Actuellement, direction Sandy Shore sur la route 68. Dernier 10-35 émis, on continue Sandy Shore. Avec deux individus Pitbox Hill. Annonce qu'ils sont en direction Sandy Shore, Joshua Road là. 378, ils sont en direction Sandy Shore, Joshua Road, ils se sont split. 77 pour tous les collègues qui amènent des personnes à Pillbox, vous pouvez les amener directement dans la salle de soins, c'est une consigne du médecin. Par contre, c'est vrai que les voitures, t'as pas des voitures oufissimes chez les flics, hein, quand même. Donc pour le coup, tu vois, ça met de la dureté. Tu connais les modèles des véhicules qu'on avait là ou pas? Non, pas du tout, sincèrement, non. C'est pas une Shifta, c'est une... Ça a la deux places longue bleue, là. Et 35, s'il vous plaît. Du coup, actuellement, de 378, on est derrière un véhicule sportif, faire deux autres véhicules, on avait une Alphire blanche et bleu foncé. Ainsi qu'une deuxième voiture sportive avec une bande blanche et une couleur nacrée bleu foncé. On n'a pas besoin capté. De backup sur notre poursuite. C'est capté, on décroche. C'est copié. Ah, du coup, de 35 et de 55 et 56 d'une Sulna grise et noire qui se foit, besoin de backup. Il se foit, il a une voix lui. Adam 0, on est disponible, faites des X35 s'il vous plaît. Ah, c'est capté. Actuellement, au niveau du champ. Non, il est au bout à droite, hein, mais vu nommé une mine. Au niveau du champ, donc je reste en train de faire. Je sais pas trop, il est pas à droite, putain. Ouais, pas 3 km. Il est au bout, il est au bout, Oh. C'est incroyable. Bon, après, il est équipé pour, ouais. C'est capté. Je le vois pas. Il est à droite, à droite, à droite, 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 droite. Affirmatif. Droite et gauche, il a pris. Il est revenu sur Sandy Shore. Affirmatif, on lui fait le sort. Il reste actuellement 13 blessés au sol. Mais après, est-ce qu'il est... 13 blessés au sol. Affirmatif, Adam 51, on reste en stand-by sur zone. Regarde. Ah, pardon. Monsieur. Ah, c'est une sultan RS. Pour rester en stand-by à l'hôpital là, c'est important s'il vous plaît, monsieur. Adam 83. Négatif, Adam 34, on va rester stand-by à l'hôpital. Merci bien. Il a pas pris tout droit, le mec. De 378. Allez-y. On aurait besoin d'une unité en backup sur la poursuite du coup au niveau de Grave Sud, une sultan RS orange foncé. Direction LTD actuellement. Je crois qu'on va se porter soutien. Elle a pris tout droit, hein, d'accord. A droite et tout droit. Ah, tu peux pas aller sur avec une Stanier, frère. T'as la Sultan, elle te met. C'est trop. Visuel de la Sultan dans les virages. T'as une direction LTD Grapsid Sandy Shore. C'est
code, est-ce qu'il pourrait y avoir un code orange mis en place sur Pillbox? Il y a de nombreux individus qui entrent et sortent. 92, c'est déjà fait. Code orange, ah, copier, déjà merci. Mis en place. Incroyable. Incroyable, les gars. Ah, c'est ouf. Frérot. À moins que la soit B, elle reste sur Sanji en attendant les collègues en tournant. Et... Non, non, je pense qu'on est déjà reparti. Hop là. On va faire un tour. Hein, mais ouais, 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 je check. Ok, voiture verte garée à... voilà, là et à droite. Ouais, ok, non. Oh. Non, mais au cas où, tu sais. Par rapport aux couleurs pétantes. Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Les courses poursuites, c'est tarpé chaud. Bifta. Par contre, c'est beau. Il y a de la vie et tout. Avec les PNJ, c'est un truc de malade. Hein. C'est incroyable. Mais ta grande sœur. Les agents qui soient surbookés sur le terrain. Merci à vous. Derrière, il y avait quelque chose. Hein. Derrière, moi, j'ai vu quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'il fout, tu vois ? Messieurs, il reste encore 4 personnes à venir chercher sur les lieux de la fusillade. Il gagne 87, j'arrive. Capté, je vous remercie. C'est le même type de véhicule qu'on avait tout à l'heure. Hein. Ok. La fusillade était mise en place, messieurs, ou pas ? Des Majax. Non, affirmative. T'es fou. C'est chaud, hein. Après, je vais en prendre l'habitude, les gars. Ça j'imagine que ça fait une semaine. Allez-y. Hold up. C'est chaud. Putain mais... Ouais. Tu vois le QG Sandy ? Le QG nous. Moi tu parles ? Le QG ID gros. Non, il parle pas à moi. T'as pas les couilles de moi. Tu donné les clés ? Bah en mode il y avait... Alors, il y avait une Jackal. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Mais mec, c'est une grosse pute elle. Oh là là, c'est terrible. Fait plaisir. Voilà. Ok. Ah, il me tue. Bravo. De K83, est-ce qu'il reste des individus à récupérer sur lieu de fusillade ou pas? Et clear. De Marie 23, on se rend sur dernier descente, nous sommes à 1 km. Dur, hein? Unité pour le check. Adam 15, on s'occupera du Tperet. Je sais pas ce qu'il fait en fait, je m'emmerde. Tu peux me ramener faire une 10-10 après s'il te plaît? Ouais, tu veux que je t'emmène Merci. Je m'emmerde. Ouais, Michelin? Ouais, de préférence s'il te plaît. Vas-y. Merci beaucoup. Pourquoi y'en a aucun qui répond, ça me saoule. Non, moi j'ai jamais tourné avec tu vois... Procédons à 10-56 d'une sportive. Vous allez bien? Occupé deux fois suite au dernier discours. Monsieur. Monsieur. Allô. Qu'est-ce qui se passe? Bah je vous demande si ça va bien, je sais pas. Mais... Oui, je pensais que vous parliez à l'autre, c'est pour ça. Ouais, je parlais à vous deux, quoi. Ok, vous allez bien? Bah ça va. Quand vous étiez accidenté à la base, mais on va pas vous... Ouais, c'est ça. C'est qui l'agent? Je sais pas, frère, j'ai même pas... Même si je le vois, c'est pas pour lui en particulier, mais je trouve que... Il y en a peu qui ont envie de délirer, qui ont envie... Là, actuellement, il n'y a plus personne, nous, sur...
Ils sont concentrés. Peut-être un peu trop sérieux, c'est ce que je vais essayer d'apporter moi avec ma personnalité, hein, parce que je sais pas faire autrement. Hein. De délirer un peu, etc. Hein, parce que. Code 4 sur la cocaïne, le champ de cocaïne. 4. Trop de pression, je sais pas, frère. Je sais pas. Ah, moi j'ai besoin de délirer, de parler, etc. C'est pour faire. Enfin, je te dis la vérité, gros. C'est pour faire ça, je vais sur l'extinction. Hein. Ah non, mais vraiment, hein. C'est ça, c'est ça. Donc, je sais pas. On verra, hein. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de. Tu vois, de. Appelle, dispatcher. Ouais. Par contre, s'ils me prennent trop pour un tapin, après ça va me saouler. Prends sur la voiture, fais ci, fais là. Même pas rigolo. Voilà. Donc on va voir. Elle écoute. Oui, 381, c'était pour vous annoncer une 10-10 de ma part. J'ai fait aussi pour vous dire que j'ai fait un rapport d'incident sur ce qui s'était passé avec 323. Vous avez bien fait, sinon j'allais vous le demander, c'est ok. Voilà. Du coup, vous étiez plus déployé. Avec 378, en Adam. All right. Ok, nickel. Merci à vous, bonne soirée. Puis bien, Attendez, qu'est-ce que tu as dit, 378 ? Dis que je repars pas tout de suite. Il repart pas tout de suite, il a dit. Ok, bah nickel, bah je le mets en... Eh ben, très bonne soirée, merci encore. Bonne soirée, au plaisir. J'ai eu. Voilà. Ah ouais, non. Eh ben, merci, très bonne soirée. Yeah, écoute, bonne soirée à toi, fais attention. Oh, ça tire. De Adam 378, on a actuellement des shots pas loin de la place des cubes. Place des cubes, putain. Protégez-nous, monsieur. Efficace, unité peut s'y rendre, s'il vous plaît. Inadmissible, arrêtez-les. Et je monte avec toi ou je te laisse là? Tu veux y aller ou pas? Ouais, je te laisse là, à plus tard. Dispatch SSD, s'il vous plaît, pour opérer un contact autour de la flic, sachant qu'il y a des 10-30, t'es entendu? Ah putain, d'ailleurs. Attends, il faut que j'appelle l'autre cul. Mes respects, bonne soirée à tous. Attends, Lucas. Ouais. C'est quoi cette histoire là, que c'est à cause de toi que le sergent il est pas bien là? Explication. Explication, déjà ça me fait pas plaisir de la façon dont tu me parles. Deuxièmement, je suis très affecté. Il s'est soit fait tirer dessus. Très affecté. Donc, tu vois, j'ai fait. Ça me fait plaisir que tu sois affecté du coup. Ben ouais, j'ai fait un rapport d'incident et compagnie, ça me fait chier de ouf. Parce que j'ai fait un barrage, les mecs sont descendus. On les a suivis, j'en ai arrêté un, mais on a tous cavalé. Juste petite. T'inquiète. Ouais. Question, parenthèse, enfin voilà, tu t'inquiète pas, le sergent Nash a fait un petit peu d'une fois. Hein. Ouais. Est-ce que t'es pour ou contre les PPA en PPA 2, député 2, PPA 3 7, t'as vu avec les autres? Ah ouais? Mais respect, bonne soirée. Marshall et Murphy étaient pour. La bise, Lucas, bonne nuit à toi. Bonne nuit. Personne n'a encore déployé de code orange sur l'hôpital. Je suis fait chier comme jamais. Les gars, demain 8h30, on se tape un méchant live extinction. Je brûle. Ouais. Je brûle tout le stuff. Donc je ferai du giveaway aussi. Donc on brûle le stuff, on fera du giveaway. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je suis désolé, c'était un peu mou du bulbe. Ben voilà, des fois tu tombes assez dynamique. Des fois c'est un peu moins dynamique. Ben là pour le coup, déjà merci d'avoir suivi ce live. Merci pour les bits, merci pour les follow, les subs. En tout cas, je vous tape la bise les gros. TLG Gang, n'oubliez pas, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc sur le Discord, je vous invite à checker et à regarder le Discord. Je vous dis à demain, et bien sûr demain 8h30 pour Extinction, et demain soir donc aux alentours de 21h, et franchement, dès qu'il y aura le dispatch, je vais dire là-bas. Voilà, non, j'espère que ça sera un peu plus actif, voilà, parce que pour le coup, même moi là, j'ai trouvé le truc un peu mouligasson, voilà, à part les boutades, les trucs comme ça, j'ai envie de tourner, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie d'investiguer, donc pour l'instant c'est normal, je suis boot, c'est compagnie, donc il n'y a pas de souci, mais au moins de faire la conversation, au moins d'être dynamique et tout, et c'est ce que j'attends, donc ben, je crois en mes collègues et je vais faire le nécessaire pour leur tendre des perches.
Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. On se dit à demain. TLG Gang. TLG Gang. TLG Gang. À demain. Ciao, TLG. Gang.